Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Comme à chaque début de live, je vais vous demander de bien vouloir me dire si vous entendez bien. Bonsoir, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Salut Nabolita, salut Kafkaïenne. Alors, j'ai l'impression que vous devez bien m'entendre. Ok, parfait. Ok, c'est super. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, c'est cool. Merci. Bon, le suspense entre guillemets tout relatif. Alors, avant qu'on commence vraiment, je l'ai déjà dit dans certains autres temps du texte, mais je suis toujours dans le sud où il fait toujours très chaud, donc je suis toujours avec la fenêtre ouverte et il y a un peu de circulation. Donc, je suis vraiment désolée si jamais vous entendez des bruits un petit peu de véhicules motorisés en tout genre. Mais sinon, je risque quand même de me liquéfier. En fait, donc, soyez indulgents à ce niveau-là, s'il vous plaît. Après, si c'est vraiment trop dérangeant, n'hésitez quand même pas à me le dire. Et Chanel, mon chat, ma chatte est juste avec moi. Donc, il est possible qu'à un moment donné, je sois obligée d'aller lui ouvrir la porte. Toutes les personnes qui vivent avec des chats ou des chattes doivent comprendre. Alors. Donc. Le suspense, comme je vous disais, tout relatif autour de cet épisode-ci du temps du texte s'achève, étant donné que vous l'avez vu. On va parler ce soir d'écrivaine, d'autrice, de poète afghane. Alors, ce n'était pas du tout prévu, mais
J'ai un petit peu eu la sensation de devoir et de vouloir le faire au vu des événements récents. Alors avant qu'on commence vraiment le live, il y a deux, trois petites choses que je voudrais préciser qui me semblent quand même importantes. La première chose, c'est que certaines personnes, très 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 gentiment, et vraiment je les en remercie, mais profondément, ont déjà fait des dons lors de mes autres temps du texte. Et vraiment, je vous en remercie énormément parce que bah, ça m'aide beaucoup et que ces temps du texte sont énormément de travail, vraiment. Beaucoup plus que n'importe quelle autre, j'ai l'impression, forme enfin, de contenu. Mais pour ce temps du texte-ci, j'aimerais vraiment que... Enfin, je vous demande en fait de ne pas faire de dons. Et si jamais vous avez justement envie ou vous aviez envie de faire un don pour ce temps du texte-là ou parce que voilà, vous appréciez ce travail et que vous êtes touché par ce dont on va parler ce soir, je vous demanderais plutôt de diriger ce don vers une association, bien évidemment, vous vous en doutez. Pour aider justement, si tel est votre plutôt choix, des femmes afghanes, mais il y a aussi beaucoup d'autres associations et beaucoup d'autres vraiment collectes qui sont beaucoup plus individuelles. Et il y a des posts très utiles sur Oser le féminisme, sur le compte Instagram de Oser le féminisme, qui vont lister des sites sur lesquels vous pouvez donner en toute sécurité. C'est la première chose que je voulais vraiment dire. La deuxième chose, c'est que c'est un sujet très compliqué parce que moi, je suis persuadée en fait de l'importance et de l'utilité des réseaux sociaux, des communautés, de la visibilité. Je suis aussi profondément convaincue que les arts, quels qu'ils soient, sont des vecteurs de liberté, d'émancipation et de résistance. Mais on ne peut pas non plus oublier que c'est quand même quelque chose de très abstrait, de très conceptuel et de bien éloigné aussi d'une réalité parfois horrible et beaucoup plus concrète. Donc il y a un juste milieu, je pense, une sorte d'équilibre à trouver. Je ne prétends pas ici faire un acte militant en fait avec ce temps du texte. C'est peut-être juste l'une des seules façons que j'ai de soutenir d'une certaine manière. Ces femmes en tant qu'artistes et ces femmes pour tout ce qu'elles sont aussi en dehors d'être des artistes et pour toutes les autres femmes, celles qui sont plutôt les personnages des textes qu'on va étudier ensemble ou découvrir ensemble ce soir. Voilà, j'espère que cette petite entrée en matière voilà, n'est pas trop confuse, mais ça me semblait important quand même de le préciser. Parce que c'est toujours délicat, je trouve, de venir faire une sorte d'émission, quelle qu'elle soit, sur un sujet d'actualité. Je sais pas. J'ai un petit peu hésité aussi parce que j'avais pas envie que ça soit perçu comme étant une sorte de, ah voilà, un super sujet en fait inédit. C'est vraiment pas le propos. Maintenant que ceci est dit. Avant qu'on passe réellement au texte, je pense qu'il y a deux, trois petites choses qui s'impose un petit retour sur le contexte historique peut-être, sur le contexte aussi linguistique pour l'écriture et sur l'histoire, on va dire, littéraire afghane, même si je ne vais pas du tout vous faire un cours, parce que premièrement, c'est une région en fait qui n'est pas une de mes régions de recherche, ni d'études, ni de spécialité, enfin spécialisation. Deuxièmement, en fait, c'est une région sur laquelle il y a quand même peu de ressources en termes d'histoire littéraire et d'analyse, d'études littéraires. Et comme dans beaucoup de régions, c'est rendu aussi beaucoup plus difficile parce que ce sont des États relativement jeunes qui étaient avant, définis par d'autres critères que ceux des frontières d'un État-nation. Donc c'est très différent en fait d'une situation culturelle et politique qui est par exemple celle de la France depuis maintenant des siècles. C'est l'une des premières choses. Alors pour juste un petit peu faire un petit tour d'horizon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu des auteurs ou des autrices afghans ou afghanes, étant donné que j'imagine, et voilà, Chanel veut sortir. Donc le temps que vous répondiez à cette question, je vais aller lui ouvrir la porte, mais avez-vous déjà lu des autrices ou des auteurs afghans? Je reviens tout de suite.
Pas du tout, non, Atiq Raimi. Oui, Atiq Raimi, c'est l'une des voix les plus connues, un petit peu. La particularité d'Atiq Raimi, c'est qu'il écrit en français aussi. Khaled Hosseini, Atiq Raimi. Jamais, mais je le souhaite fortement, notamment le récit de Latifa suite à la situation des femmes au début des années 2000. Ouais. Khaled Hosseini, Khaled Hosseini, Atiq Raimi. Ah, ok. Alors, ce soir, on ne va parler que d'autrices, parce que c'est le mois d'août. Mais il y a bien évidemment des auteurs aussi afghans qui sont extrêmement talentueux, qui sont extrêmement engagés aussi. Mais ça me semblait plus que pertinent, en plus j'ai envie de dire, de rester sur des autrices et non pas sur des auteurs et des autrices. Alors je pense que ces autrices vont être des découvertes pour vous. Pour la plupart, ça a été des découvertes pour moi. Je vais vous présenter trois ouvrages qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, les rares ouvrages qu'on peut trouver qui regroupent des écrits d'autrices. Et je pense que vous aurez peut-être envie d'en acheter un ou deux à l'issue de ce live. Alors, on va partir un petit peu sur quand même quelques deux trois notions qui permettront de mieux aborder ces textes. Alors comme je vous l'ai dit, il est quand même difficile de vraiment venir vous parler de littérature afghane à proprement parler, étant donné que hormis ces dernières décennies, le pays d'Afghanistan en fait avant n'existait pas à proprement parler. Et c'était plutôt une zone avec des tribus, des peuples nomades qui étaient quand même unis par une certaine culture, par une certaine géographie. Et les textes anciens étaient écrits en persan. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que jusqu'à une certaine époque, cette région était plutôt regroupée en aires linguistiques qu'en aires étatiques. Il y avait des groupements de population qui parlaient une même langue et qui étaient sur des territoires qui seraient désormais des pays totalement différents. C'est quelque chose qui est très courant en Asie centrale et dans le Caucase, par exemple. Alors après, il y a bien évidemment d'autres spécificités, des spécificités plutôt artisanales, des spécificités plutôt au niveau des traditions, plutôt au niveau de la cuisine, plutôt au niveau de l'architecture, bref. Mais c'est une histoire quand même très différente de celle qu'on peut avoir en Europe. L'Afghanistan tel que nous on le connaît en tant que pays, il apparaît en 1747 suite à la chute de l'Empire perse et à ce moment-là c'est un royaume. La République, elle est proclamée en 1973 après un coup d'État. Et vous vous en doutez, ça vous le savez, je pense, et à ce sujet, je vous recommande vraiment de regarder les quatre épisodes d'Arte sur l'histoire de l'Afghanistan. Mais l'Afghanistan, c'est un pays qui a connu une histoire politique très mouvementée avec un grand turnover au niveau des régimes, alors peut-être pas des régimes politiques, mais en tout cas au niveau des dirigeants, avec aussi bien évidemment les ingérences de certains grands pays voisins. Donc, il y a eu bien évidemment le régime autoritaire qui était celui de l'URSS, des Soviets. Il y a eu l'intervention des USA. Et puis il y a eu bien évidemment, on le sait, les talibans qui sont une véritable dictature islamiste et milicienne et qui s'attaquent bien sûr à la culture de toutes ses formes. Alors, on peut penser bien évidemment, et je pense que là, c'est des images qu'on a toutes et tous en tête, c'est quand ils ont détruit, bombé. Ces énormes Bouddhas, les Bouddhas de Bamiyan, ce sont des images qui sont absolument terribles et que il est difficile aussi, je pense, de comment dire, d'analyser étant donné que c'est très voilà, c'est les talibans ont fait exploser bien d'autres choses que ces Bouddhas et les Bouddhas ont aussi canalisé beaucoup d'émotions et il y a toujours bon la question de savoir si l'Occident est pas un petit peu dans cette fétichisation, on va dire, de la culture des autres pays et beaucoup plus sensible à la destruction de certains monuments plutôt qu'à la destruction de certaines vies. Mais ça, c'est voilà, c'est autre chose. Et oui, ça a toujours été une terre très convoitée. Ça, c'est vrai.
Mais ils ont détruit également, par exemple, des bibliothèques, des cafés, des lieux de rencontres littéraires. Ils ont interdit la reproduction picturale. En gros, comme dans beaucoup d'endroits, à un moment donné, où l'islam s'est implanté, la production littéraire a été soit stoppée, soit diminuée, soit largement limitée. Ils ont aussi détruit, par exemple, une bibliothèque qui s'appelait la bibliothèque Nasser Khosrow. Alors, par contre, je vous préviens et je m'en excuse par avance, la prononciation de tous les noms dans cet épisode va être affreuse. J'en suis désolée. C'était une bibliothèque qui était vieille de 10 siècles, qui a été détruite par les talibans en août 1998. Et lors de cette destruction, il y a 55 000 volumes qui ont été brûlés. Alors, vous imaginez déjà tout ça, là, tout ce qu'on vient de donner comme contexte. Alors, pensez que ça rentre bien évidemment en compte dans la construction ou dans la préservation d'une littérature. C'est évident. Alors, en plus de ça, l'Afghanistan, c'est un pays qui connaît aussi une pluralité linguistique assez importante. Alors, si on devait compter vraiment toutes les langues, apparemment, j'ai trouvé qu'il y aurait une quarantaine de langues parlées sur le pays. Il y a deux langues qui sont les langues officielles, le pachto et le dari. Le dari, c'est la langue qu'on va dire qui est la plus utilisée. C'est ce qu'on appelle aussi le persan afghan et c'est ce qui est le plus proche du farsi qui est parlé en Iran, par exemple. Effectivement, Caroline, c'est tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez semblable. Je note toutes vos petites recommandations en même temps. Et on a le pachto qui, lui, est une autre langue, même si c'est une langue de la même famille. Et là, normalement, j'ai une petite carte qui nous vient de Wikipédia, mais qui est bien pratique à vous montrer pour un petit peu. Qu'on puisse quand même se représenter cette pluralité linguistique au sein du pays. Pof. Donc là, vous voyez, on a en fait l'Afghanistan, la zone en. Ok, c'est bon chez vous. La zone en vert, c'est la zone où le dari est parlé. La zone en marron, on va dire, oui, c'est du marron, c'est la zone où le pachto est parlé, donc c'est plutôt la zone au sud-est. Et vous avez d'autres petites langues. Alors, par exemple, vers le haut, c'est tout ce qui va ressembler aux langues parlées au Turkménistan et dans les pays voisins. Donc, c'est des langues vraiment mineures pour le coup et qui ne sont pas du tout ni des langues officielles, ni des langues diplomatiques, ni des langues académiques ou d'institutions. Voilà. Donc. Ça aussi, c'est un facteur important en fait pour la distribution et la lecture. C'est-à-dire que tout le monde peut-être se comprendre un minimum dans les deux langues, tout le monde ne peut pas forcément lire dans les deux langues. Et un élément que j'ai appris en lisant la préface d'un des livres dont je vais vous parler ce soir, et qui est vraiment extrêmement intéressant, et qui en plus, alors là, est ben, super intéressant pour nous au niveau justement de la diffusion, de la distribution de ces littératures, c'est que très souvent en Afghanistan, l'édition va se faire plutôt de façon locale et non pas nationale. C'est-à-dire que, imaginez un petit peu, en gros, un livre, un recueil de poésie, un recueil de nouvelles, un roman, bref, ce que vous voulez qui va être publié à Kaboul ne sera pas forcément publié dans d'autres grandes villes du pays et ne sera pas forcément donc trouvable dans ces autres grandes villes. Et inversement, un livre qui va être publié dans une des autres grandes villes du pays ne sera pas forcément trouvable à Kaboul. Donc là, je pense que vous voyez déjà, c'est un paysage entre guillemets littéraire qui est très très différent de celui qu'on connaît en Europe. Évidemment, ça ne rend pas la chose aisée pour, entre guillemets, recenser cette littérature, l'archiver aussi, et puis la traduire. Ça, c'est une autre complexité quand même. Alors, non, ce n'est pas moi qui dois disparaître. Hop là. Donc, on y arrive bientôt au texte. Restez avec moi. Ne partez pas. Alors. La majorité de la littérature va être écrite en pachto donc, et en dari, comme je vous l'ai dit. Le dari, c'est quand même la langue qui va être la plus souvent utilisée pour
la littérature. Et la littérature dite pachtoune, elle va connaître une naissance formelle plutôt au XVIe siècle, qui est fortement liée à ce moment-là au soufisme et donc à la religion. Alors je vous ai parlé quand même, bien évidemment, de l'impact du pouvoir taliban sur la littérature, mais il faut aussi préciser que, bien évidemment, le régime soviétique n'est pas connu pour sa grande liberté d'expression, et il a lui aussi beaucoup contrôlé et empêché surtout, alors pas forcément l'écriture, mais en tout cas la distribution, la parution, la publication et l'accès à beaucoup de livres écrits par des Afghans et des Afghanes, comme il l'a fait en gros dans tous les territoires où il était implanté. Voilà, ça c'est, je pense que c'est assez connu quand même. Donc, avec tous ces éléments en tête, là, on est quand même assez clair sur le fait que l'émergence, ou plutôt la permanence, la préservation, on va dire, d'une littérature afghane, c'est quelque chose d'assez complexe. Et y a un bébé qui hurle, c'est insupportable. Et en plus, comme dans de nombreux pays, c'était aussi plutôt une tradition orale qui était très présente et qui a perduré beaucoup plus longtemps qu'en Europe. Si on parle quand même de la littérature écrite aussi, j'en peux plus de ce bébé. J'espère que vous ne l'entendez pas, mais c'est insupportable. Il hurle tous les jours. le fondement de la littérature persane et donc de la littérature qui après deviendra la littérature afghane, c'est la poésie. Le roman et la nouvelle, ce sont des genres que les Afghans et les Afghanes se sont appropriés, ont retravaillés au contact en fait des Occidentaux. Notamment le genre de la nouvelle qui lui est devenu un genre très très important en Afghanistan, mais qui n'était pas du tout en fait par le passé. Par le passé, c'était vraiment la littérature plutôt de poésie. En fait, comme la quasi-totalité des pays qui ont quand même commencé avec la poésie, une poésie qui a morphé, qui est devenue voilà, plutôt un... oui, c'est insupportable, vraiment. Les chansons de gestes, on va avoir après de longs, longs poèmes, et puis finalement, qui sont des chants, qui sont même parfois inclassables, et après on a cette arrivée un petit peu fracassante de la prose. Putain, j'en peux plus par contre, c'est insupportable. Bref. Donc, le premier roman publié en Afghanistan, écrit par un Afghan, a été publié en 1919, pour vous donner une idée un petit peu quand même de la relative nouveauté quand même de ce genre. C'est quand même extrêmement tard. Alors, il ne faut pas oublier non plus que l'Afghanistan en tant que pays est créé plus tardivement que ne l'a été la France. Voilà, donc ça, mais quand même, c'est très très tard. Et le premier recueil de nouvelles publié par une femme date de 1952. Il a été publié par une femme qui s'appelle Maga Rahmani, pardon, et à propos de qui je n'ai absolument rien pu trouver sur Internet. Malheureusement, c'est quelque chose qui est une problématique qui est revenue très souvent, en fait, avec beaucoup de noms que j'ai pu trouver dans les préfaces, dans les postfaces, dans les notes de bas de page, etc. Beaucoup de noms, oui, mais absolument rien, en fait, en tout cas, ni en français, ni en anglais, sur Internet. Ça, c'est toujours regrettable. Et donc, si on s'intéresse un petit peu à la question quand même de sorte, c'est-à-dire l'accès aux femmes, l'accès plutôt à l'écriture par les femmes, les femmes, en fait, elles ont toujours écrit, en Afghanistan d'ailleurs, comme ailleurs. Ou alors, elles ont composé oralement. Et grâce à leur voix et grâce à la mémoire, elles ont pu faire perdurer des textes et se les transmettre. Elles ont mis beaucoup de stratagèmes en place, bien évidemment, pour parvenir à maintenir ces échanges, à préserver ces espaces aussi de création, de transmission de savoir et de créativité, malgré les différents pouvoirs totalitaires, malgré les violences misogynes qui étaient liées à la religion. Alors, c'est encore une fois, malheureusement, impossible, en tout cas pour moi, j'ai pas réussi à trouver du contenu en ligne sur cette femme, mais dans la postface de l'un des livres que je vais vous présenter, qui s'intitule « Ces murs qui vous écoutent », Michael Barry nous présente une femme qui s'appelle Dame Rabea et qui fut au Xe siècle l'une des premières femmes à écrire en Afghanistan, mais aussi l'une des premières à écrire dans ce qui sera plus tard le Farsi. Et ce qui sera donc plus tard aussi après, le Dari. J'espère que vous me suivez jusque-là. Ah ben c'est super, Saphir Cléo, c'est l'un des livres dont on va parler ce soir. Donc,
Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, c'est extrêmement novateur. Et en plus, justement, c'est super intéressant parce qu'il parle aussi de l'importance, enfin de la ressemblance que ça a avec l'écriture des femmes au Japon, ce qui est un sujet absolument passionnant. Si vous voulez, au Japon, le japonais en tant que tel n'a pas toujours existé. On a parlé le chinois et puis après, on a eu un système d'écriture qui était du chinois, mais pour retranscrire des sons japonais. C'est très... Bref. Et les syllabaires japonais et l'écriture japonaise n'est apparue que plus tard. Et au tout début, cette écriture, qui est l'écriture japonaise de maintenant, c'était une écriture réservée aux femmes. Donc les femmes, en fait, étaient aussi une des figures de proue, entre guillemets, de l'innovation en écriture. C'est exactement la même chose, ou presque, j'ai envie de dire, pour cette femme, Dame Rabea, ou la princesse Rabea, qui en fait n'a pas voulu écrire uniquement en arabe classique, qui était à l'époque ce qu'on écrivait dans cette région qui n'était pas encore l'Afghanistan, étant donné que, pour voilà, on retrace un peu mais l'histoire, mais en gros, les Arabes musulmans se sont répandus dans beaucoup de pays. On oublie de le dire, mais en gros, ils ont colonisé beaucoup de pays et imposé l'islam dans beaucoup de pays. Et ils ont aussi, donc, bien évidemment, comme dans chaque conquête de territoire, ils ont aussi apporté une culture et une langue. Et donc, ces pays-là, les élites, les groupes intellectuels ont commencé à écrire et parler en arabe. Voilà. Et ils écrivaient en arabe classique. Cette femme, Dame Rabea, elle a écrit donc mis en arabe classique, mis en ce qui était donc le persan, le farsi. C'est en fait une langue qui est, alors qui est très différente de l'arabe, mais qui réutilise, si vous voulez, le même alphabet. Vous voyez, c'est extrêmement proche en fait de la dynamique qu'il y a eu au Japon. Enfin, je trouve que c'est assez passionnant quand même. Et l'exemple que Barry donne justement dans la postface, c'est d'imaginer un petit peu, même si ce serait un peu différent, que nous, on aurait eu des écrivaines ou des écrivains qui auraient composé un même poème avec une strophe en latin, une strophe en français, une strophe en latin, une strophe en français. Alors, c'est un petit peu différent, étant donné que ça aurait été plutôt un ancien français ou un français moyen, pas notre français à nous, mais c'est un petit peu l'idée. Et cette femme a eu une histoire tragique, et elle est donc devenue aussi l'un des symboles de l'écriture en Afghanistan est l'un des symboles de l'écriture féminine en Afghanistan. Malheureusement, je n'ai rien trouvé sur elle sur Internet. Voilà, donc je vous partage quand même ce que j'ai trouvé dans cette postface parce que je trouve ça passionnant, mais je n'ai pas pu approfondir les recherches sur cette femme. Alors, on va y aller. On va passer au texte. Maintenant que je pense que le contexte est un petit peu plus clair. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? Parce que alors concrètement, moi les dates et la chronologie, c'est vraiment pas mon truc, donc j'espère que c'était pas trop chaotique pour vous de votre côté à écouter. Alors, ce soir, on va parler de plusieurs autrices et on va parler de plusieurs poètes. Et beaucoup de ces poètes ne viennent pas de Kaboul, mais viennent d'une autre ville qui s'appelle Herat. Donc, on va très brièvement voir où se situe Herat, parce que c'est pas forcément clair. Donc, là, comme vous pouvez le voir, vous avez à l'est Kaboul, qui est donc la capitale de l'Afghanistan. J'espère que vous voyez, je sais pas si c'est assez grand ou pas. Et le petit point rouge, c'est donc Herat. Alors, Kaboul, c'est une ville extrêmement culturelle aussi, mais Herat, c'est vraiment la ville de la poésie. Et vous voyez. Au niveau géographique, en fait, c'est une ville qui est beaucoup plus proche, pardon, de l'Iran. Ce qui explique aussi que ce soit un petit peu un foyer culturel et un foyer d'émulation poétique. C'est une ville qui a une très très longue tradition, en fait, d'écriture, et c'est aussi une ville qui est connue, ou qui malheureusement était connue, pour être beaucoup plus libérale que le reste du pays et pour offrir aux femmes davantage de liberté. Alors, ce qui est extrêmement triste, c'est que, bien évidemment, comme je ne suis pas, je vous le rappelle, spécialiste de l'Afghanistan, en faisant toutes ces recherches pour le temps du texte, je suis donc allée sur Wikipédia pour commencer. Oui, il y a énormément de poésie en Iran. Ah oui. Et si vous allez sur la page Wikipédia d'Herat, et j'ai pris une capture d'écran pour vous le montrer,
C'est absolument déchirant en fait. Donc vous avez bien évidemment l'histoire, donc ça revient sur les différents royaumes et les différents empires entre guillemets qui ont gouverné Erath, les différentes cultures, les différentes ères presque qui sont passées sur cette ville et qui l'ont nourrie, qui l'ont enrichie. Et puis la dernière ligne, je ne sais pas si elle est très claire chez vous de votre côté sur l'écran, si vous arrivez à le voir, mais c'est absolument désastreux. Le 12 août 2021, les talibans s'emparent de la ville de Herat. C'est la 11e capitale provinciale contrôlée par les talibans depuis le début de leur offensive. Donc c'est, j'étais en, voilà, je lisais en fait ce passage sur l'histoire de la ville en essayant un petit peu de mieux contextualiser et puis de mieux voir pourquoi. C'était aussi une ville si importante au niveau de la production littéraire. Et puis vous avez cette phrase qui arrive absolument atroce où en fait il y a cette réalisation que ce qui est en train, bah, ce qui se passe réellement et puis que c'est, comment dire, que c'est pas anecdotique quoi, ça fait vraiment partie de l'histoire maintenant du pays quoi. Et que oui, on a laissé les talibans revenir quoi. Donc c'était vraiment affreux de le lire. Alors pour être sur une note un peu plus joyeuse peut-être. Herat, c'est une ville aussi qui est connue, par exemple, pour sa forteresse, la citadelle. Donc, c'est extrêmement beau. Et qui est aussi une ville connue pour ses mosquées et pour ses mausolées. Tels que celui-ci, par exemple. Et quand je vous parlais tout à l'heure justement du fait que c'était une ville qui était beaucoup plus libérale et une ville qui permettait aux femmes bah justement d'étudier, d'écrire, de se regrouper, de se promener dans la rue avec des tenues bien moins, comment dire, rigoristes, c'est aussi une ville qui est à la pointe, entre guillemets, là de la révolte et de la résistance contre les talibans. Et c'est une ville qui est aussi le siège de beaucoup de manifestations au niveau des droits des femmes. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça, par exemple, c'est une image que j'ai trouvée sur la page Facebook de l'une des autrices dont on va parler ce soir. Voilà. Donc, allez, on va passer au texte maintenant qu'on a vraiment contextualisé. La première autrice dont on va parler, c'est une poète. Et une poète qui a eu une vie malheureusement très courte et qui a eu une vie tragique. Oui, et bon, alors, bon, c'est vraiment pas le sujet, mais par exemple, il y a aussi tout un débat sur. Alors, tout un débat. Plus ou moins, hein, tout un débat sur l'origine de Rumi, le célèbre poète. Voilà. Je vous laisserai vous renseigner sur ça, mais en fait, oui, l'Afghanistan, c'est un pays aussi extrêmement riche. Donc, la première femme, la première poète dont on va parler ce soir, c'est une femme qui s'appelle Nadia Anjouman. Alors, pareil, je tiens à m'excuser encore une fois pour ma prononciation. J'ai essayé de trouver un portrait de toutes ces femmes, ça n'a pas toujours été chose aisée. Donc, Nadia Anjouman, elle est née en 1980 et elle est morte en 2005. C'est l'une des premières poètes contemporaines, c'est l'une des poètes contemporaines les plus célébrées, les plus reconnues, aussi bien en Afghanistan qu'à l'étranger. Elle est née dans une famille plutôt aisée, très libérale, très intellectuelle, et c'est l'une des premières filles à avoir passé l'examen d'entrée à l'université en 2001, après le régime des talibans. Les talibans, en fait, ils avaient bien évidemment exclu les femmes de l'université dès 1990, en fait. Elle se marie, et alors là, pour le coup, je vais quand même vous parler un petit peu du livre. Le livre que j'ai beaucoup utilisé pour ce temps du texte, c'est ce recueil de poésie. C'est une enfin, c'est une anthologie poétique, alors qui n'existe qu'en anglais malheureusement, qui s'intitule Load Poems Like Guns, donc charger les poèmes comme des fusils. Women's Poetry from Herat, Afghanistan, donc la poésie des femmes d'Herat en Afghanistan, de Farzana Mari.
Et c'est un ouvrage que je recommande à 1000% si vous vous intéressez à la question et si vous parlez anglais. Parce que ce qu'il a de vraiment absolument génial, c'est qu'il y a une notice biographique qui est bien plus riche que tout ce que vous pourrez trouver en ligne. Et des fois, vous ne trouverez absolument rien en ligne sur les femmes qui sont présentes dans cette anthologie. Deuxièmement, il y a pour chacune de ces autrices une explication sur le choix de traduction fait par la traductrice. C'est-à-dire que pour chaque poète, elle va vous expliquer, voilà, est-ce que j'ai choisi de préserver la forme? Est-ce que j'ai pris des libertés avec la forme pour restituer plutôt le propos? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai essayé de m'éloigner un peu d'une traduction qui serait plutôt littérale pour recréer une forme en anglais qui ressemblerait aux effets de la forme dans la langue d'origine? Elle donne des clés aussi d'interprétation et d'analyse sur certains points linguistiques qui seraient vraiment intéressants et auxquels forcément nous, à moins de parler le dari, on n'a pas accès. Bref, c'est un superbe livre. Vraiment, je le recommande à 1000%. Je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça génial. Si vous aimez la poésie et si vous lisez l'anglais, il n'y a vraiment aucune raison en fait de s'en priver. C'est absolument génial. Et donc, c'est vraiment grâce à cette femme, Farzana Marie, que je peux venir vous parler aussi ce soir. Donc, concernant Nadia Anjouman, comme je vous disais, Anjouman, pardon, elle s'est mariée, contrainte. Il y a eu en fait une insistance folle de la part de la famille du marié ou de celui qui souhaitait se marier avec elle. Ils sont revenus pendant plusieurs années en fait voir la famille de Nadia Anjouman pour la demander en mariage, la demander, la demander, la demander, et finalement ma future mari a fait ce qu'on appelle un chantage au suicide, et la famille est venue avec le Coran, etc., pour dire il faut absolument sauver notre fils, donnez-nous la main de votre fille. Je pense que c'est important quand même, voyez, de bien présenter, de bien contextualiser. Salut, Lys Sombreciel. Et donc, ils se sont mariés. Cet homme, en fait, a été absolument rongé, dévoré par la jalousie, étant donné que Nadia Anjouman, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une poète extrêmement reconnue. C'est-à-dire que c'était vraiment LA poète contemporaine en Afghanistan. Elle était acclamée à Herat, elle était de toutes les conférences, elle était acclamée par ses professeurs, elle était traduite à l'étranger, etc. Et lui n'a pas supporté, bien évidemment, de vivre dans l'ombre de sa femme. Et en fait, en 2005, le dernier jour du Ramadan, il l'a battue à mort. Voilà. Bon. C'est absolument enfin, catastrophique et c'est absolument terrible. Ce qui est encore plus terrible peut-être, hein, je ne sais pas, c'est que il n'a jamais reconnu le meurtre. Il a prétendu que oui, il l'avait frappée, mais que ce n'est pas lui qui l'avait tuée, qu'elle avait pris du poison en fait, et que c'était ça qui l'avait tuée. Et cet homme a bénéficié, on va dire, de la corruption de pas mal de la justice du pays, même si pour le coup, là, beaucoup de personnes se sont mobilisées, ils ont fait venir des juges qui venaient d'autres provinces pour éviter qu'il y ait de la corruption, etc. Mais en fait, le jugement a été rendu et n'a pas été appliqué. Et donc cet homme, à l'heure actuelle, je crois qu'il est toujours en vie, et cet homme, en fait, est libre, et cet homme a eu, bien évidemment, la garde du fils de Nadia Anjouman. Voilà. Donc, je pensais que c'était important de commencer avec elle et bah, de vous raconter quand même son histoire. Hop. Alors, tchoup, on va remonter. Donc, j'ai choisi pour vous deux poèmes de cette femme. Et le premier poème est traduit en français. Le deuxième poème est traduit en anglais. Et pour le deuxième poème, il y a également le texte en dari à côté. Le premier poème s'intitule Illumination et il a été ici traduit par Leili Anvar. Voici la nuit. La poésie illumine mes instants.
Voici l'exaltation qui peigne. Mais alors là, je me suis toujours, j'ai trouvé toujours peigne dans les traductions. Par contre, je trouve ça très bizarre. Je me suis demandé si c'était pas en fait qui peint et qui, s'il n'y avait pas eu une erreur sur la conjugaison du verbe. Ou alors, apparemment, c'est le verbe peigner, mais je trouve ça un peu bizarre. Bref. Qui peigne mes cordes vocales. Quel est ce feu, merveille étrange, qui m'abreuve? Voici que le parfum de l'âme embaume le corps de mes rêves. Je ne sais de quelle montagne, de quel sommet d'espoir, voici que souffle une brise nouvelle sur la saison de ma fin. Du halo de lumière me vint une transparence luminance. Voici que n'ont plus d'autres désirs mes larmes et mes soupirs. Les étincelles de mes plaintes font une poussière d'étoiles. Voici que la colombe de mes prières fait son nid dans l'empyrée. Mes larmes incontrôlées sur les lignes de mon livre, voici qu'elles tombent, goutte à goutte. Vois-tu, ô mon Dieu? De mes paroles dans un cahier, de mes mots tumultueux, voici que gronde une tourmente, fruit de mon silence obstiné. Aube, chère aube, ne déchire pas la soie imaginaire. Voici que je suis plus heureuse la nuit, qu'en poésie illumine mes instants. Alors, ben là on a quand même un poème qui est une célébration, bien évidemment, de l'écriture, de l'inspiration poétique et du compagnonnage qui s'effectue lorsque l'on est inspiré par la poésie. Ce qui est très beau, je trouve, alors après, encore une fois, c'est une traduction et pour le coup, ce sont des langues très différentes, donc on va quand même en parler, bien évidemment, mais il faut garder ça à l'esprit. Ce qui est très beau, je trouve, c'est qu'on commence avec la poésie et on finit uniquement avec poésie, un petit peu comme s'il y avait cette fois-ci vraiment une incarnation. Un petit peu comme si on appelait quelqu'un ou quelque chose par son prénom. Ça, c'est quelque chose de très très beau, je trouve. Et puis, on a ces questions multiples et cette présentation, en fait, de tous ces effets, de toutes les conséquences bénéfiques de la poésie. Cette poésie qui, en fait, là, est source de vie, est une forme d'effervescence qui va créer un tumulte, qui va créer, justement, comme je l'ai dit, une effervescence, qui va créer une forme de tourmente, une brise nouvelle. Et c'est un poème qui est un petit peu ambivalent parce qu'il y a à la fois vraiment cette dimension très positive, pleine d'espérance, et puis on sent quand même qu'il y a une forme vraiment de souffrance et de quelque chose de très lourd aussi dans le poème. On parle quand même des étincelles, des plaintes qui font une poussière d'étoiles, ça c'est quand même très très beau. La colombe des prières, quand on prie, est-ce que ce sont des louanges ou est-ce que ce sont plutôt, encore une fois, des demandes, des requêtes? Et puis, bien évidemment, gronde une tourmente, un silence obstiné. Là, c'est quand même aussi, on peut se demander, hein, ce qu'est ce silence obstiné? D'où vient-il? Est-ce que là, c'est purement... Est-ce que là, il y a cette dimension autobiographique? Est-ce qu'on peut y voir une représentation de la situation des femmes? Ou au contraire, est-ce que c'est plus l'incapacité, par exemple, parfois du poète à s'exprimer, à trouver l'inspiration. Oui, effectivement, merci Anna. Alice, l'Empyrée, c'est la partie la plus élevée du ciel. C'est normalement le lieu où peuvent être les dieux. Pour peigne, peut-être une analogie entre les cordes vocales et les cordes que l'on travaille en les peignant. Travail du coton. Peut-être, oui, effectivement, ce serait une réponse logique, justement. Et puis, on a deux vers de fin. Aube, chère aube. Alors, je suis désolée, je le dis avec mon accent du sud. Ne déchire pas la soie imaginaire. Voici que je suis plus heureuse la nuit quand poésie illumine mes instants. Donc là, il y a une forme de connivence. Et bien évidemment, une imploration directe à cette aube, à cet univers en fait naturel autour de soi. Et là, la nuit devient un refuge, bien évidemment. Un lieu de liberté, le lieu, le moment de la création où la poésie est à nos côtés et puis aussi un moment où on s'extrait un petit peu du monde. Et en tant que femme et en tant que poète, on comprend bien évidemment toute l'importance et toute la force de cette image-là et de ce moment de la nuit. Oui, voici que gronde une tourmente, fruit de mon silence obstiné. Oui, c'est... même en traduction, pour le coup, certains vers ici sont très beaux. Ce qui est beau aussi, je trouve, mais là c'est un peu plus, je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir... En Dari, je pense que ça ne se vaut pas parce que de ce que j'ai compris en Dari, le verbe est en dernière position dans la phrase.
phrase, un petit peu comme en allemand, pour celles et ceux. Ah non, pas en allemand, c'est le participe passé qui est en dernier en allemand. Dans les temps composés, voici que n'ont plus d'autres désirs, mes larmes et mes soupirs. Je trouve que l'inversion du sujet ici, elle est très élégante et très belle. Et puis il y a une forme. L'inversion du sujet ici, on ne s'y attend pas parce que c'est la première. Ça complexifie un petit peu la lecture. Je trouve que quand c'est bien fait, l'inversion du sujet, c'est super beau. Oui, comme en japonais, effectivement, Farid. Donc ça, c'était le premier poème. Alors on va passer, je vous préviens, un petit peu rapidement, entre guillemets, sur ces textes pour deux raisons. Premièrement, parce que ce sont des traductions, et des traductions en plus d'une langue que je ne maîtrise pas du tout, donc je ne suis pas vraiment quand même en mesure de vous donner un travail vraiment d'analyse stylistique. Et deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de textes, et que ça fait déjà, bah, juste pour vous donner une idée, 45 minutes qu'on est ensemble. Donc, ensuite, on a un deuxième poème. Et alors là, comme je vous disais, pour ce poème-ci, comment ça fait sur l'écran pour vous si je dézoome? Le nom du poème en dari ou en anglais? Oui, j'ai, logiquement. Ah non, celui-ci je l'ai pas, je crois. Non, celui-ci je l'ai pas en anglais. Mais j'essaierai de le retrouver, Léa, et je le partagerai. Alors, oui, ça va, c'est pas trop embêtant pour vous si je dézoome. Donc le deuxième poème, celui-ci, bon, je suis désolée, il est en anglais, mais vous allez voir, on va passer assez rapidement, entre guillemets, dessus, et il n'est pas trop difficile. Donc, à droite, vous avez le dari. Donc, bien évidemment, je ne peux pas vous le lire, je n'y comprends absolument rien. Je pense que là, vous voyez très clairement la ressemblance avec l'alphabet arabe. Alors ça, c'est l'un des poèmes les plus connus de l'autrice, de la poète. C'est un poème qui a été composé en 1999, donc c'est un poème tout récent. Et c'est un poème qui a été repris en chanson, justement. Et le titre initial, c'est « Makes no sense ». Il est parfois aussi traduit... d'une autre façon, il est parfois traduit comme vain, inutile. Donc lui, je vous ai sélectionné, tout vient du livre, bien évidemment. Je vous ai sélectionné la partie en dari pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, music makes no sense anymore. When abandoned by time, whether singing or sitting still, why should I compose? Donc là, par contre, il y a une tonalité beaucoup plus sombre que dans le premier poème, et vous allez voir que tout s'envole quand même, par contre, avec les vers de fin. Donc, la musique n'a plus aucun sens lorsque l'on est abandonné par le temps, que l'on chante ou que l'on reste immobile, pourquoi devrais-je composer? When words are poison to the tongue, why taste? Stifling songs is my abuser's strongest skill. Quand les mots sont un poison pour la langue, pourquoi les goûter? Donc là, je pense que ce vers est plus intéressant que tous les autres, étant donné que, bien évidemment, là, il y a toute une question. Alors, la poésie, c'est une forme de musicalité, on est bien d'accord. Et là, il y a une précision, on passe de la musique à la composition plutôt verbale, plutôt lexicale, et donc à l'écriture poétique. No one anywhere notices or cares whether I cry, whether I laugh, whether I die or am still. Here, in this captive cell with grief and remorse, why live if my tongue is sealed still? Donc, personne ne remarque ou ne se soucie de savoir si je pleure, si je ris, si je meurs ou si je suis immobile ici. Dans cette cellule de captivité, avec le deuil et les regrets et les remords, le deuil, pourquoi vivre? À quoi sert-il de vivre si ma langue est scellée, immobile, ou plutôt encore, à nouveau? Je pense que le sens quand même est assez évident, comme Nina Bolita, là, je pense que la compréhension est assez directe. Hein. Slow down, heart, that leaps to greet sweet spring.
My broken wings will temper this temporary thrill. Donc là, on a quelque chose qui devient un petit peu plus ouvert sur l'extérieur, ralentit mon cœur, qui s'emballe pour célébrer, pour rencontrer, plutôt pour célébrer, pour accueillir ce doux printemps. Mes ailes brisées vont tempérer, vont modérer cet élan, entre guillemets, momentané. Though melodies drained from memory, stale with silent songs wafted up from soul whispers still. Donc ça, c'est pas forcément très intéressant. Les deux dernières strophes sont les plus intéressantes. One thought of the day I will break the cage makes me croon like a carefree drunk until they can see I am no wind-trembled willow tree. An Afghan woman wails and sings and wail and sing I will. Donc, ce qui vient quand même donner la force à ce poème, c'est ces derniers vers. Étant donné que, premièrement, on passe en fait à une énonciation différente, il y a la forme, il y a le prénom, n'importe quoi, bon. Il y a le pronom personnel « je », premièrement, et donc il y a une affirmation quand même de la subjectivité et de la figure du poète ici, et puis il y a le temps du futur. Et on passe de verbe qui était soit à la forme négative, soit à la forme interrogative, mais une forme interrogative qui était vraiment totalement désespérée, sans aucun espoir, à finalement une forme positive. Une femme afghane se lamente et chante, et se lamenter et chanter, je le ferai, plus ou moins. Alors, pour ce texte, j'ai une vidéo. Alors, ce texte, comme je vous l'ai dit, il a donc été repris en chanson. Et c'est toujours difficile aussi de trouver des vidéos et des audios. Donc, la seule vidéo que j'ai pu trouver vraiment pour l'audio de cette chanson, on ne va pas l'écouter en entier parce que c'est un petit peu long, mais je me suis dit que c'était quand même important de vous présenter ça. Pourquoi ? Parce que premièrement, on va enfin entendre la langue. On va voir à quoi ça ressemble. Deuxièmement, parce que la personne, là, c'est une femme qui chante. C'est une chanteuse connue en Afghanistan. Et donc, c'est aussi rendre hommage à cette femme. Troisièmement, je trouve que c'est absolument fascinant de voir la réactualisation, en fait, de la forme poétique dans des médias qui sont un peu plus liés quand même à une forme de culture populaire, même si, encore une fois, la poésie est une culture populaire, enfin, ou appartient à la culture populaire dans certaines cultures et dans certains pays. Alors, je vous préviens tout de suite quand même, la vidéo est un petit peu kitsch. Alors, je ne dis pas ça du tout avec un jugement, parce que de toute manière, moi, j'aime le kitsch. C'est une vidéo qui, en plus, date un petit peu. Donc, voilà, pour nous, peut-être, là, français et française, pour la plupart d'entre nous, de 2021, ça fait un petit peu vieillot. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est vraiment la musique. Et puis aussi, c'est de voir ces femmes, vous allez voir, les femmes qui écoutent, cette femme qui chante aussi. Donc j'espère que ça va fonctionner comme la dernière fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait si ça fonctionne ou pas. On va l'écouter un tout petit peu et puis après on passera à d'autres textes et à d'autres poètes. Donc vous n'allez plus me voir et plus m'entendre, mais c'est normal. من نه آن بیده
Ok, donc bon, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai vraiment voulu vous partager cette vidéo. Et puis bon, bah, forcément, hein, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'en fait, ça c'est fini. C'est révolu. Voilà. Ça, ce sont des scènes qu'on ne risque plus de revoir pendant ben, un certain temps. Donc, bon, on est obligé de continuer parce qu'en fait, tout, sinon, ça, on n'y arrivera pas, quoi. Donc, on va passer à une autre poète dont j'ai partagé l'un des textes, l'un des rares textes que l'on peut trouver sur Instagram. Et comme d'habitude, je vais vous partager son visage avant qu'on revienne sur ce texte. Hop! Il s'agit de cette femme qui est d'ailleurs celle qui figure sur la miniature de cette vidéo. Alors, il s'agit de Mina Keshwar Kamal, qui est née en 1956 à Kaboul et qui a été assassinée en 1997 au Pakistan. Elle a fondé en 1977 RAWA, qui est Revolutionary Association of Women in Afghanistan. C'est une femme qui est très connue parce qu'elle a lutté pour l'éducation des femmes, notamment à travers la création d'un journal qui était d'ailleurs en dari et en pachto. Elle a aussi eu une forte influence politique. Elle a été invitée en France d'ailleurs à l'un des rassemblements socialistes, pas socialistes, genre socialistes, hein, vraiment le parti entre guillemets socialiste d'avant, quoi. Et puis elle a aussi œuvré à la mise en place d'un hôpital, de centres d'accueil pour les enfants, les orphelins et pour aussi les migrants à certaines frontières avec l'Afghanistan, et elle a été assassinée dans sa maison au Pakistan avec deux de ses collègues. Alors, on sait, on va dire pourquoi elle a été bah Mog, écoute, oui, kafkaïenne, on peut pas s'empêcher quand même de penser, oui. Salut Kylian, il n'y a pas de souci. Donc, elle a été assassinée avec deux de ses collègues. Alors, encore une fois, là, je vous répète quand même, hein, ce que dit Wikipédia parce que concrètement, c'est un petit peu la seule source pour toutes ces femmes. Plusieurs groupes ont été soupçonnés de l'avoir assassinée et finalement, deux hommes ont été arrêtés et ont avoué l'avoir assassinée. Et c'était des hommes qui faisaient partie d'un groupe qui avait été formé et qui était proche du KGB. Et qui donc l'ont assassinée pour des raisons politiques, bien évidemment. Et ces deux hommes ont été condamnés à mort. Voilà. C'est une femme qui a vraiment beaucoup, beaucoup œuvré pour l'éducation des femmes,
qui a été extrêmement militante en fait. Alors effectivement là, elle a écrit un poème et c'est en plus, je trouve, un poème, un texte qui est très beau aussi. Mais c'est vrai que c'est aussi surtout davantage que les autres autrices et les autres femmes qui sont présentes dans ce live ce soir, c'était vraiment elle une militante politique surtout. Alors on va passer à son texte. Hop. C'est l'une des femmes aussi qui est les plus connues, notamment à l'international, dans toutes les femmes qu'il va y avoir ce soir. Donc, hop, on a ce premier poème. Alors je suis désolée, par contre, j'ai pas du tout trouvé de qui était la traduction. Malheureusement. Je suis la femme qui s'est éveillée. Je me suis levée et me suis changée en tempête, balayant les cendres de mes enfants brûlés. Je me suis levée des ruisseaux formés par le sang de mon frère. La colère de mon peuple m'a donné la force. Mes villages ruinés et incendiés m'ont remplie de haine pour l'ennemi. Je suis la femme qui s'est éveillée. J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. J'ai ouvert des portes closes par l'ignorance. J'ai dit adieu à tous les bracelets d'or. Aux compatriotes, je ne suis plus celle que j'étais. Je suis la femme qui s'est éveillée. J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. J'ai vu des enfants sans foyer, errant pieds nus. J'ai vu des promises aux mains tatouées de aînés en habits de deuil. J'ai vu les murs géants des prisons avaler la liberté dans leurs estomacs d'ogre. Je suis ressuscitée parmi des gestes épiques de résistance et de courage. J'ai appris le chant de la liberté dans les derniers soupirs, dans les vagues de sang et dans la victoire. Ô compatriote, ô frère, ne me considère plus comme faible et incapable. Je suis de toute force avec toi, sur le chemin de la libération de mon pays. Ma voix s'est mêlée à celle de milliers d'autres femmes qui se sont levées. Mes poings se serrent avec les poings de milliers de compatriotes. Avec toi, j'ai pris le chemin de mon pays pour briser toutes ces souffrances et tous ces fers. Aux compatriotes, aux frères, je ne suis plus celle que j'étais. Je suis la femme qui s'est éveillée. J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. Donc, elle, c'est vraiment une femme quand même incroyable, extrêmement forte. Et puis, ce texte est absolument splendide. Je trouve que ce texte est très, 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 très beau. Alors, c'est un texte qui, en plus, bien évidemment, comporte plusieurs revendications et plusieurs thématiques. Bien évidemment, il y a la conscience d'être une femme et de ne pas être acceptée, de ne pas être considérée en fait par là ceux qu'elle appelle les compatriotes et les frères, c'est-à-dire bon, tout simplement ses concitoyens. Voilà. Enfin, les autres concitoyens, quoi, qui font partie du même État, mais qui, sous prétexte qu'elle est une femme, ne la considèrent pas de la même façon. Ensuite, il y a tout simplement la revendication de la liberté et de l'indépendance de son propre pays. Il y a une exaspération, une incapacité à supporter davantage de violence. On nous parle bien évidemment du sang de son frère, de la cendre des enfants brûlés. Donc elle est à la fois la sœur, elle est à la fois la mère, elle est à la fois la promise. J'ai vu des promises aux mains tatouées de aînés en habit de deuil. Elle est celle qui est du côté des orphelins, et je vous ai dit qu'en plus elle avait travaillé dans ce domaine-là, bien évidemment. Et il y a ce distique, ces deux vers qui reviennent, qui vont rythmer un petit peu le poème comme une sorte de refrain. Je suis la femme qui s'est éveillée, j'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. On a bien évidemment bah, ce verbe au futur et cet adverbe, jamais. Il y a une double affirmation, bien évidemment. Là, on est dans quelque chose qui est absolument définitif, sur lequel on ne peut revenir. C'est un poème qui ne fait pas l'impasse, en fait, sur la violence. J'ai appris le chant de la liberté dans les derniers soupirs, dans les vagues de sang et dans la victoire. J'ai vu les murs géants des prisons avaler la liberté dans leurs estomacs d'ogre. Revendication, liberté, de la liberté, bien évidemment. Là, les prisons sont à la fois peut-être les prisons d'un pouvoir corrompu, les prisons des pouvoirs étrangers qui viennent s'implanter dans le pays. Et le poème finit sur ces deux distiques qui viennent rythmer le texte. Je suis la femme qui s'est éveillée, j'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais. Il y a un passage, un vers qui est très très beau aussi, quand elle dit « Je suis ressuscitée parmi des gestes épiques de résistance et de courage. » Ça, c'est un vers que je trouve très intéressant parce qu'on peut y lire un double sens, entre guillemets. Ça peut être à la fois l'idée de retrouver une forme de vie quand on voit des gestes justement héroïques, épiques, être
alors pas commis, mais effectués par d'autres personnes. Et donc c'est un petit peu l'idée de revenir à une forme d'espoir parce qu'on voit que d'autres sont exemplaires, sont courageux, sont héroïques, courageuses et héroïques aussi. Mais ça peut aussi être interprété comme, même après ma mort, moi, cette femme-là qui te parle, cette femme qui écrit ce texte, cette femme qui s'est engagée, cette femme qui a été assassinée, je serai ressuscitée dans chaque geste courageux qui s'effectuera au nom de la liberté de mon pays. Et puis alors, bien sûr, vous avez cette surabondance quand même du pronom personnel « je ». Et c'est un poème qui, malgré cette affirmation du pronom personnel « je », un poème qui se place vraiment résolument du côté de l'union, avec toi, aux compatriotes, aux frères. L'idée qu'on ne peut pas en fait œuvrer seul à la libération de ce pays. Alors, on va un petit peu sortir de la poésie là, parce que je vais vous parler d'une novelliste, c'est-à-dire d'une autrice de nouvelles. Elle, ça va être un petit peu plus facile parce que pour... Décidément, j'ai envie de me supprimer. Ça va être un petit peu plus facile parce qu'elle a été traduite directement en français et vous pouvez acheter les livres. Donc, pof. On va en parler. Alors, il s'agit de, alors là, Spojmaj Zaryab. Donc, c'est l'autrice la plus connue du live ce soir. Elle est publiée chez... Ici, l'inventaire, dans un tout petit livre que je recommande à 100%. On va en parler. C'est une édition bilingue. Elle est née en 1949 à Kaboul et elle s'est exilée en France, à Montpellier, depuis 1991. Quand elle était en Afghanistan, elle a fait ses études dans un lycée franco-afghan. À savoir que, comme dans beaucoup de pays, la francophilie ou la francophonie, pardon, c'était un marqueur des classes plutôt aisées et ou intellectuelles. Et donc, elle vit toujours, en fait, à Montpellier, à l'heure actuelle. Donc, cette femme, enfin, cette autrice, vous pouvez trouver deux de ses textes, traduits, enfin, deux livres, il me semble, traduits en français. Moi, j'ai choisi « Ces murs qui nous écoutent ». C'est un court recueil de trois nouvelles qui sont absolument qui sont très très réussies. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je dois vous avouer qu'en fait là j'étais un petit peu dans une panne de lecture, c'était pas incroyable, et là tous les textes que j'ai lus pour ce temps du texte ont été de très très bonnes découvertes, et c'était tous, pour tous hein, que ce soit les poèmes ou les nouvelles, des textes extrêmement vifs. Il y avait vraiment une forme, alors encore une fois on est en traduction hein, mais il y a une forme de vivacité, de modernité, je trouve, au niveau formel. Il y a une... comment dire, une forme de frontalité, d'honnêteté, vraiment, dans les thèmes qui sont abordés. C'est pas du tout l'image que je me faisais, en fait, de ces textes-là. Vraiment. Donc, ce tout petit livre, il est absolument génial, parce que vous avez donc, pour commencer, trois nouvelles qui s'appellent « La carte d'identité », extrêmement émouvante, La chasse aux anges, que j'ai trouvé absolument génial, et Ces murs qui nous écoutent. Puis vous avez une postface, qui est donc celle que je vous ai citée en tout début de live, de Michael Berry, qui est extrêmement intéressante parce que c'est un des spécialistes justement de la littérature perse et de la littérature afghane. Et puis à la fin, vous avez en encre rouge, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais vous avez donc les trois nouvelles en Dari. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais en tout cas, voilà, c'est une édition bilingue et je trouve que c'est toujours extrêmement, extrêmement beau, et c'est des initiatives qu'il faut encourager. C'est tellement des initiatives qu'il faut encourager qu'en fait, je suis allée sur le site de la maison d'édition et je voulais juste partager avec vous. Ils ont un petit mot en fait qui explique voilà, leur ambition en tant que maison d'édition, et je voulais le partager avec vous. Alors, attendez. Il s'agit de l'inventaire. Pof. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire de votre côté, mais moi, je vais le lire avec vous.
En fondant l'inventaire en 1993, nous voulions changer les livres. Si aujourd'hui cette ambition fait un peu sourire, nous pouvons malgré tout être fiers, avec un E, du travail accompli. Plus de 100 ouvrages, effectivement différents, ont paru chez nous. La ligne éditoriale de l'inventaire vise à inscrire la subjectivité et la personne dans l'histoire. Le XXe siècle a vu s'écrouler de nombreuses idéologies et apparaître une tendance à la massification, économie de masse, culture de masse. Quelles en ont été et en sont encore les conséquences sur l'individu? A-t-il sa place en tant que sujet? Et la somme des histoires individuelles engendre-t-elle la grande histoire? Sans prétendre répondre définitivement à ces interrogations, les éditions L'Inventaire veulent proposer une sorte d'état des lieux de la subjectivité par le biais de l'écriture. Par ailleurs, l'objectif de l'inventaire est de faire exister un espace de texte, de réflexion, de poésie, indépendant et de qualité, à destination d'un public assez large d'amoureux des livres. Notre ligne éditoriale, la personne et l'histoire, explique la diversité et la cohérence de nos choix. Nous avons publié de grands noms de la littérature étrangère, des catalogues d'expositions, véritables ouvrages de fond de la poésie, des albums illustrés, des essais, des correspondances. Chaque livre a pour nous sa personnalité que nous nous efforçons de traduire jusque dans la maquette choisie. Cette exigence de qualité, cette réflexion approfondie sur chaque livre sont les maîtres mots des éditions L'Inventaire. Anne Coltuy-Fauquer et Brigitte Ouvry-Vial. Voilà. J'ai trouvé que c'était très parlant. Et sur leur site, juste pour vous donner une idée, vous voyez, j'y suis allée... En préparant ce temps du texte, ils ont aussi un recueil de poètes ou d'autrices, je crois pas que c'était que des poètes, d'autrices de Géorgie. Géorgie le pays, je précise. C'est absolument, je veux dire, c'est très très rare. Hein. Je pense pas qu'on puisse trouver ça facilement dans d'autres maisons d'édition. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est absolument génial et il faut aussi mettre en valeur ce genre d'initiative. Donc, concernant cette autrice, je vous ai sélectionné en fait un extrait de la nouvelle qui donne le titre au recueil, C'est Mur qui nous écoute, et puis je vous ai sélectionné trois extraits d'une interview qu'elle a donnée en 2001 dans le courrier de l'UNESCO. Vous aurez le lien, je crois que vous avez déjà le lien si vous voulez lire cette interview dans son intégralité dans la barre d'infos. J'ai trouvé que c'était aussi intéressant voilà, de pouvoir avoir ce témoignage un petit peu direct, parce que c'est vrai qu'on connaît très peu cette littérature et ces femmes et ces autrices, et c'est assez rare de pouvoir avoir accès à voilà, une interview dont la source est très claire comme ça. Donc c'est à mon père que je dois l'amour de la littérature. C'était un homme exceptionnel. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais une fille, il ne m'a jamais rien interdit ou imposé. Alors là c'est marrant, entre guillemets. Ça rappelle beaucoup ce que Simone de Beauvoir a pu elle-même écrire. Dans mon enfance, la télévision n'existait pas. Le soir, il nous lisait des poèmes. À force de les écouter, je les apprenais par cœur. Mon père disait le début d'un poème et moi, j'en récitais la fin. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Ça rappelle aussi un petit peu ce que dit Chador Djavan. Pour celles et ceux qui connaissent. Par la suite, la poésie classique persane m'a beaucoup aidée sur mon chemin littéraire, mais la nouvelle, qui est ma forme littéraire de prédilection, est un genre occidental, c'est donc ce que je vous disais d'ailleurs en début de live, une passion que je dois aux auteurs étrangers, surtout européens et américains. Donc en tant qu'écrivain, alors j'ai un petit peu grincé des dents, parce qu'à aucun moment ils ne disent écrivaine ou autrice, mais c'est pas grave. En tant qu'écrivain, comment avez-vous vécu le régime soviétique? Alors j'ai choisi, bien évidemment l'interview, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus longue, et elle parle aussi voilà, des talibans, etc. Mais j'ai trouvé que c'était aussi intéressant de parler de ce régime soviétique parce que beaucoup des autrices sont nées sous ce régime soviétique et ont ensuite connu, bien évidemment, malheureusement, le régime des talibans et connaissent aussi maintenant le régime des talibans. Le nouveau régime avait interdit l'importation et la traduction de tous les livres étrangers. Alors, je ne sais pas pourquoi le S est en... est séparé de l'étranger, censurant même les œuvres classiques persanes. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi en début de live. Seuls les livres soviétiques, traduits en persan par les Tadjiks, étaient disponibles dans les rayons de littérature étrangère des librairies. J'avais l'impression qu'ils étaient écrits par des machines et non par des hommes. Cela dit, et là aussi c'est pour ça que j'ai sélectionné cette réponse, on y trouvait aussi des œuvres d'une grande qualité, je pense notamment à celle de Tchingiz Aitmatov. Je ne sais pas si vous savez, mais ça c'est un auteur dont j'ai déjà parlé plusieurs fois.
Je ne pouvais pas imaginer qu'au fin fond du Kirghizistan, j'y arrivais, sous un régime pareil, un tel auteur existait. Dans une telle situation, l'écrivain doit trouver les moyens littéraires qui lui permettent de faire passer ses messages. Heureusement, les censeurs n'étaient pas à la hauteur. Ils ne connaissaient pas grand-chose à la littérature et un grand nombre de poètes et de romanciers ont été publiés par l'Union des écrivains afghans qui avait une activité éditoriale importante et un gros budget. Là, c'est aussi hyper intéressant parce que ça nous permet de voir vraiment, d'être dans l'histoire réellement, quelle était la réalité justement pour ces auteurs, pour ces poètes, comment étaient-ils publiés, quelle était la réalité de la censure, etc. Donc, ça c'est un autre extrait de l'interview que j'ai trouvé tout à fait approprié pour le sujet de ce soir et pour le mois du littératon féminin. Avant d'être écrivain, écrivaine, je suis afghane et je crois que le seul objet de préoccupation d'un afghan aujourd'hui est que le cauchemar que vit notre peuple depuis 20 ans prenne fin. Dites-vous que c'est 2001 cette interview. Que le pays soit sauvé de la politique discriminatoire des talibans qui sont toujours soutenus par le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Il faut le dire. Que les femmes afghanes soient sauvées des griffes de ces fous de Dieu. Avant l'arrivée des talibans, elles constituaient 40% du corps enseignant, c'est dire quel était leur niveau intellectuel. À présent, elles sont exclues de la société. Leur état physique, intellectuel et psychologique est alarmant et elles n'ont pas le droit de consulter un médecin homme. Pire encore, nombre d'entre elles font l'objet d'un trafic sexuel au Pakistan. Jamais auparavant, les femmes de mon pays n'avaient subi une telle humiliation et jamais l'Afghanistan n'avait connu une telle régression. C'est dur hein, quand même. Que reste-t-il de mon pays ? Une terre détruite, tapissée de mines, avec des milliers et des milliers de veuves, d'orphelins, d'handicapés. Une terre ravagée par les guerres, le froid ou la sécheresse, la famine. Des millions de réfugiés, dont la plupart vivent dans des camps au Pakistan ou en Iran, sans aucun moyen de subsistance, dans des conditions inhumaines. Ce que j'écris et écrirai ne peut pas être en dehors de ces préoccupations. Voilà. Et il est vrai que les trois nouvelles qui sont présentes dans ce recueil parlent toutes de la réalité en Afghanistan, avec des thèmes très différents. Et je vous conseille vraiment ce recueil. Je trouve que les nouvelles sont de grande qualité. Je vais sans doute me procurer l'autre livre de cette autrice qui a été traduit en français parce que la traduction me semble être très réussie et je trouve que le format de la nouvelle est extrêmement bien mené. La première nouvelle est extrêmement prenante, très très émouvante. La deuxième est vraiment super intéressante. Ça présente en fait une critique, j'ai envie de dire, de la religion, mais d'une façon très originale, très... alors pas douce, c'est pas le terme, mais on va dire très subtile, vraiment. Et je pense qu'il pourra parler à beaucoup de personnes qui ont grandi dans des familles religieuses et qui ont eu peur, par exemple, de certaines choses qu'on pouvait leur dire par rapport à la religion. Et la troisième nouvelle, c'est la nouvelle dont j'ai sélectionné un extrait, c'est la nouvelle qui permet de vraiment sentir, je pense, le style de l'autrice. C'est une autrice qui est souvent comparée, ou pas comparée, mais qui est souvent liée à Sadek et Dayat. Sadek et Dayat, c'est un auteur dont j'ai aussi parlé il y a vraiment longtemps, qui d'ailleurs était au programme du club de lecture il y a très 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 longtemps. C'est un auteur iranien qui a vécu aussi à Paris, qui est mort plutôt jeune, je crois, lui aussi, et qui est absolument génialissime. Si vous ne l'avez jamais lu, mais vraiment, je vous encourage à lire Sadek et Dayat, c'est vraiment un grand, grand auteur qui est méconnu en France, et qui a un style, si vous voulez, pour vous le rapprocher d'un auteur qu'on pourrait un peu... qui est plus lu, c'est un petit peu comme Kafka, c'est un mélange entre Hermann Hesse et Kafka. Il y a un peu cette sensibilité-là. Et donc, dans cette troisième et dernière nouvelle, on ressent vraiment cette influence. Et je vous ai sélectionné un extrait, je pense que vous allez tout de suite comprendre un petit peu ce que je veux dire par là. Donc le recueil date de 2000. Un jour, j'ai apporté un livre au bureau, un de ceux que je connaissais par cœur, à force de les relire. Je me suis assise à ma place, j'ai sorti lentement le volume de ma poche, et je m'apprêtais à le feuilleter quand tout à coup notre collègue a sursauté. Sans me quitter des yeux, il a montré discrètement le mur de son doigt desséché, le mur où les portraits, ce n'était pas très clair.
En regardant les portraits du grand personnage avec leur regard haineux, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient s'échapper de leur cadre pour se ruer sur moi. Mais les cadres les retenaient. J'ai ressenti de la sympathie pour eux, de la reconnaissance. J'ai remis lentement, discrètement, le livre dans ma poche et je me suis dit toute fière que je venais de dérober quelque chose au grand personnage. Donc je ne sais pas si vous le sentez là à la lecture, mais je trouve qu'il y a vraiment cette dimension un petit peu qu'on appelle nous maintenant vraiment kafkaïenne. Hein, c'est un adjectif qui est rentré dans un langage assez courant. Et le style est extrêmement maîtrisé, très abouti. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment peut-être l'une des autrices que je recommanderais le plus si là vous avez à l'issue de ce live envie de découvrir la littérature afghane. Les traductions sont de qualité, l'appareil, tout le paratexte en fait de ce recueil est très très intéressant et les textes en eux-mêmes sont vraiment vraiment bien écrits et ont tous une petite une unité, enfin une identité propre, voilà, vraiment. Donc en fait j'avais vraiment envie de vous en partager davantage, mais comme les textes sont très courts, tout de suite ça devient malheureusement un peu trop du spoiler. N'est-ce pas? Je ne voulais pas divulgâcher de trop le contenu, étant donné que ce sont de courts textes. J'espère que cela vous a intéressé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu cette autrice ou pas du tout? L'auteur dont tu viens de parler, c'est celui qui a écrit La Chouette Aveugle. Oui, Sadek Hedayat, c'est celui qui a écrit La Chouette Aveugle, ouais. Vraiment, lui, je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment une bonne porte d'entrée, et puis ce sont vraiment des nouvelles très intéressantes. Oui, oui, effectivement, Dabolita, ça fait un peu penser à Gaulle. Je pense que t'aimerais. Ben, je vous conseille. Enfin, moi, ça a vraiment été une très très bonne découverte. Parce que là, les deux livres que je viens de vous présenter, ces deux livres aussi, je me les suis procurés justement là, cette dernière semaine, pour préparer ce temps du texte. Il y a un troisième livre, en fait, que j'avais déjà, et que par hasard, entre guillemets, j'avais pris, enfin par hasard. Existe-t-il vraiment un hasard? J'avais pris dans ma valise pour descendre dans le sud. Un recueil de nouvelles. Et les trois livres ont été de très très bonnes découvertes, mais je pense que j'ai peut-être une toute petite préférence, en termes de texte vraiment, j'ai une petite préférence pour celui-ci, c'est Mur qui nous écoute. Et il est vrai que lui par contre est très intéressant au niveau de la poésie et de la traduction. Après si vous aimez moins la traduction, et c'est peut-être moins intéressant on va dire. Voilà. Salut Aragon. Alors on va quand même continuer. Oui, je les ai trouvés facilement. En tout cas, c'est Mur qui nous écoute facilement. Alors, on va continuer avec une autre autrice. Comme d'habitude, je vais vous présenter cette autrice avec un portrait, quand même. C'est important, étant donné que j'ai réussi à trouver des visages pour toutes ces femmes. Pof! Donc, l'autrice suivante, cette fois-ci... elle sera beaucoup moins connue. Il s'agit, alors là, je suppose que c'est Raleda. Il s'agit de Raleda Rorsand, qui est née en 84 et qui est désormais exilée au Canada et qui a eu un diplôme. Alors, elle est née à Kaboul, mais elle a été diplômée de l'université d'Herat, dont on a parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez. Alors, on va passer au texte. Donc, cette autrice-ci... Pof. J'ai encore une fois fait un petit groupement hybride. Vous avez deux réponses qu'elle a données dans une interview qui faisait partie d'un projet qui s'intitulait Unveiling Afghanistan, the Unheard Voices of Progress. Donc, dévoiler l'Afghanistan, les voix... unheard... les nouvelles voix, parce que ça veut dire les voix qui ne sont pas entendues, mais c'est un peu bizarre en français, du progrès, qui a été publié sur un site qui s'appelle Open Asia.
qui donc était en dari bien évidemment à la base, mais qui a été traduit, qui date de 2014. Et puis je vous ai sélectionné un extrait d'une de ses nouvelles, qui cette fois-ci fait partie d'un recueil. Ça, c'est le recueil donc, que j'avais déjà, que je n'ai pas acheté pour ce temps du texte, et que j'avais pris dans ma valise. C'est un recueil de nouvelles qui s'intitule « Sous le ciel de Kaboul, nouvelles de femmes afghanes », traduction du persan par Rojesta Ebrahimi, qui est publiée par Le Soupirail, qui date de 2019, il me semble, et j'ai l'impression de l'avoir acheté au Maghreb Orient des Livres, mais je peux me tromper. Alors je m'emballe un petit peu avant vraiment de vous... Quoique non, on va faire le texte et puis après on reviendra sur cette maison d'édition quand même qu'est Le Soupirail, parce que c'est un petit peu aussi une maison d'édition très intéressante, enfin qui ressemble un peu à celle dont on a parlé précédemment, l'Inventaire, et qui est spécialisée dans la littérature étrangère, on dirait en tout cas. Donc on va y aller pour les textes. Bon, alors c'est absolument... Enfin, c'est affreux. On va... Can you tell us about a time when your civil rights were violated, something which has influenced your life? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, d'un moment où vos droits ont été bafoués et quelque chose qui a influencé, qui a vraiment marqué votre vie? Et là, vous allez voir, elle va revenir sur des thèmes qui sont effectivement crus, enfin, centraux à ce qui nous occupe ce soir. Donc, one day during the time of the Taliban, I was going with a friend to a secret literature course for women in Herat. Donc un jour, durant l'époque des talibans, j'allais avec... Bon, je vais même pas lire en anglais, je vais vous faire la traduction directe, comme ça sera plus simple pour celles et ceux qui sont pas forcément à l'aise. Sous le régime des talibans, je me rendais avec une amie à un cours, bien évidemment secret, clandestin, j'ai envie de dire, même ici, de littérature pour femmes à Herat. Le cours s'intitulait l'épingle dorée, et il était en fait présenté comme un cours de couture. Parce que, étant donné que c'était des filles... en tant que femmes, nous étions interdites d'apprentissage et d'éducation, de scolarité. Voilà. Donc, deux membres de la milice des talibans nous ont arrêtés alors qu'on s'y rendait et nous ont demandé ce que nous avions dans nos sacs. Ils voulaient les chercher. Nous avions des bloc-notes et des stylos, ce qui était interdit pour des femmes. Nous avons répondu que nous en avions besoin pour prendre des notes sur la confection des robes. Je me souviens très distinctement de la peur que j'ai ressentie face à ces deux hommes et face à ce qui aurait pu nous arriver. À quel point c'était terrifiant de devoir les convaincre que nos bloc-notes n'étaient pas destinés à l'éducation. Je n'oublierai jamais cette peur tant que je serai en vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, c'est quelque chose qui est absolument impensable en fait pour nous, je pense, là où qu'on soit. Pour la plupart de celles et ceux qui sont sur ce live, à mon avis, c'est impensable. En fait, on n'arrive pas à s'imaginer ce que ça peut être que de devoir absolument, pour rester en vie, convaincre quelqu'un que le bloc-notes, le cahier, le stylo, le papier, le crayon gris qu'on a dans notre sac, c'est pas pour aller apprendre, c'est pas pour écrire quelque chose en rapport avec la littérature, avec la science, avec l'histoire. C'est pour aller faire un cours de cuisine ou un cours de couture, quoi. Enfin, vraiment, rendons-nous compte, quoi. C'est affreux. Et donc la deuxième question, est-ce que l'Afghanistan actuel pourrait permettre une nouvelle fermeture des écoles aux filles et empêcher à nouveau les femmes de participer à la vie en société ou à l'organisation de la vie en société, si vous préférez? Et là, elle a cette réponse absolument terrible en 2014, sachant qu'en 2014, là vraiment, souvenez-vous, les talibans ne sont plus au pouvoir, d'accord? Il est possible que les talibans reviennent au pouvoir. C'est la première phrase. It is possible that the Taliban could return to power. L'existence de la culture des talibans ou de la culture talibane, c'est un peu bizarre, je pense, de le dire comme ça, ne se limite pas à leur simple présence. En fait, elle dépasse leur simple présence. C'est une manière de penser qui persiste à l'heure actuelle en Afghanistan et qui prépare le terrain pour un retour possible. Parmi tant d'autres, voilà, nous croyons que nous devons toujours surveiller les talibans et qu'on ne devrait jamais se fier à cette illusion que leur retour est impossible. La culture talibane n'est pas un phénomène extérieur. Il prend origine dans les structures patriarcales de l'Afghanistan
il s'est développé et a pris en force ici et il pourrait donc émerger à nouveau. Voilà. Donc c'est juste terrible. De se dire que là, en 2021, bah, c'est ce qui s'est passé. L'extrait de la nouvelle que je vais vous présenter, vous allez voir, est encore une fois un petit peu comme la deuxième nouvelle dont je vous parlais précédemment, dans Ces murs qui nous écoutent. Je trouve que c'est une façon très subtile, très implicite d'évoquer, de représenter toute la souffrance. Et ici, dans cette nouvelle-ci, dans cet extrait, c'est la souffrance d'une femme au sein de son couple et la domination masculine. Vous allez voir la manière dont ça s'effectue. Comme tu étais furieuse, tu boudais, tu criais, tu écrivais sur un papier le prénom que tu avais choisi, Bar. Encore une fois, je suis désolée pour la prononciation. Tu écrivais la moitié des faire-part de naissance. C'est avec joie que nous remercions Dieu de la naissance de notre fille, Bar. Tu avais écrit presque toutes les cartes. Tu savais qu'une dispute allait se préparer. Mais cette fois, et pour la première fois, tu étais sûre de toi. Oui, Bar est le plus beau prénom pour ta fille. Il faisait signe de la main. Samira s'est réveillée, elle pleure. Le bruit venait de la chambre de ta fille. Tu t'y précipitas, tu caressas ses cheveux doux, on replaça son oreiller sous sa tête. Dors ma Bahar, dors ma Samira. Tu te disais que Samira est aussi un beau prénom. Mais ta fille, c'est Bahar. Dors ma Bahar. Alors, là déjà au niveau de la forme, il y a quelque chose qui pas extrêmement commun non plus et qui n'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup d'ordinaire. On a cette adresse au personnage. Alors qui est ici vraiment le personnage? Ça, je dois dire que c'est un petit peu un point commun que j'ai trouvé à pas toutes mais beaucoup des nouvelles. C'est que c'est parfois un petit peu difficile de se repérer en fait. Et c'est aussi quelque chose qui est présent justement dans le recueil de poèmes. On a souvent alors des incipit in medias res, c'est-à-dire que le texte commence vraiment dans l'action. On n'a pas de description, d'introduction des personnages, de petits contextes, non, on est vraiment plongé dans l'histoire, dans l'intrigue, dans l'action. Et c'est parfois très confus, c'est très difficile parfois de savoir ce qu'il se passe réellement, qui est en train de faire quoi, à quel moment on se situe. C'est aussi parfois difficile de savoir sous quel régime autoritaire et liberticide on se situe. Et c'est aussi parfois difficile de savoir si les personnages sont lucides, si les personnages sont dans une forme de délire traumatique, si les personnages sont plutôt en train de rêver, d'espérer. C'est vraiment une. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas vraiment hein, que les textes que j'ai lus étaient très, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très vifs. Il y a une forme vraiment d'expérimentation presque au niveau de l'écriture qui est parfois un petit peu déroutante, ça je vous l'avoue. Et là, bah, on a effectivement cette narration à la deuxième personne du singulier. Et oui, on sent qu'il y a vraiment une vivacité, comme tu dis, une forme d'urgence dans l'écriture. Alors on a cette ponctuation, bien évidemment, hein, cette multiplication de la ponctuation, cette proximité qui est créée avec le tu, cet enchaînement des verbes aussi, qui crée justement cette situation d'urgence, hein, la succession des verbes, notamment au passé simple, on sent vraiment là, pof, 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 une rapidité dans les actions qui s'enchaînent. Une précipitation, la précipitation de la mer, bien évidemment. Et puis on a cette figure quand même totalement omnisciente de la narration. Est-ce que cette narration, c'est la personnage qui se parle à elle-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui la connaît très bien, qui retrace un petit peu son histoire? Et ou est-ce que c'est vraiment cette narratrice omnisciente qui a accès à tout ce qu'elle pense? Alors, j'aurais pu en fait vous partager l'intégralité hein, de la nouvelle parce qu'elle est très très courte celle-ci, mais bon voilà, je pense que c'est pas très très réglo entre guillemets de le faire, mais c'est vraiment une dénonciation en fait de, comme je vous l'ai dit, de cette domination masculine au sein du couple et de cette, alors
pas résignation, parce que justement, il y a ce, pour reprendre les mots de tout à l'heure, il y a ce silence obstiné qui va créer finalement cette tempête, cette tourmente, mais on sent cette, justement, c'est toute cette énergie, toute cette rage qui est contenue, et tout ce mépris porté à cet homme qui en fait n'est pas du tout l'homme qu'on aime, l'homme choisi, l'homme qui nous respecte. Donc c'est l'un des nombreux thèmes hein, qui est abordé, mais c'est un thème qui revient souvent. Ah, hyper intéressant, bah, merci Hilal, parce que bah, moi je ne savais pas du tout que Bahar voulait dire printemps. Ah bah tu vois, en plus Vali, tu es connectée avec Hilal du coup. Et justement, cette impression de souffle coupé, elle est vraiment maintenue du début jusqu'à la fin de la nouvelle. La nouvelle se finit sur quelque chose qui n'est pas une fin, en fait. On se demande, mais que se passe-t-il après? Que va-t-elle faire? Voilà. Je vous recommande hein, vraiment aussi ce recueil. Je trouve que c'est un très très bon recueil. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 12 autrices afghanes dans ce recueil. Vous avez vraiment certaines nouvelles qui sont... moi, il y en a certaines que j'ai vraiment beaucoup aimées. La première, je la trouve absolument géniale. La première, elle s'appelle « Deux coups de feu ». Elle a été écrite, par Wassima Badrissi, je pense, que ça se dit comme ça. Franchement, elle est absolument géniale. Elle fait que quelques pages. J'aurais vraiment envie de vous la lire parce que pour le coup, c'est vraiment maîtrisé à la perfection. Vous savez, la nouvelle repose aussi essentiellement sur l'idée de chute. Une chute qui vient... totalement transfigurer l'expérience de lecture. C'est absolument réussi dans cette première nouvelle. C'est déchirant. C'est vraiment très très bien fait. Vous avez une deuxième nouvelle qui s'appelle Numéro 13, écrite par Batul Haidari, qui est écrite à la première personne. J'ai pas encore mis les références des livres, Valérie, j'ai mis toutes les autres références, les articles, etc. Mais je vais mettre les livres à la fin du live, oui. Et qui donc est écrite à la première personne, et en fait c'est... Alors ça je pense que je peux vous le dire parce que c'est pas vraiment... est-ce que c'est vraiment spoilé? Je vous le dis parce que c'est, ça vous donnera peut-être plus envie encore et ça vous montrera peut-être toute la... enfin à quel point c'est pas une littérature du tout... entre guillemets vieillotte, même si ça veut rien dire, et puis vu ce que je lis vous vous doutez bien que c'est pas voilà, mais c'est le cadavre d'une femme, en fait c'est une femme qui est morte mais qui décrit encore ce qu'elle voit, voilà, par exemple. Vous avez la troisième nouvelle qui s'appelle Nuit de loup d'Alia Atae, que encore une fois qui est beaucoup plus écrite dans l'urgence, justement, que ce que je viens de vous lire. Enfin bon, c'est vraiment absolument... ce sont de très très beaux textes. Alors je dois juste quand même... Alors c'est rien, hein, c'est pas du tout un problème en soi. Mais il y a quand même 2-3 coquilles dans ce recueil. Alors c'est pas très très grave. Mais voilà, soyez pas entre guillemets étonnés. Ça arrive. Voilà. Ce sont de très beaux textes. Moi, je vous les recommande. Vraiment. Alors, on va continuer. Parce qu'il est déjà 21h39. L'autrice suivante. Ok. Alors, l'autrice suivante. Pof. Pour l'autrice suivante. Ah, attendez, je fais n'importe quoi. Comme d'habitude. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment envie d'enlever mon visage, il semblerait. Hein. Alors, l'autrice suivante s'appelle Omera Kaderi. Elle est née en 1980 à Kaboul, dans une famille aisée, une famille intellectuelle. Elle a fait ses études en Iran, puis elle a reçu un prix littéraire en Iran, d'ailleurs le prix Sadek Hedayat, pour une nouvelle. C'était la première fois qu'une personne afghane recevait un prix littéraire en Iran. Puis elle est revenue en Afghanistan, où elle a été professeure à l'université. Elle a d'ailleurs reçu la médaille Malalai, qui est une médaille qui récompense un grand courage. Malalai, c'était un autre poète, en fait, très important en Afghanistan. Et elle a fait aussi de la politique. Elle a été consultante pour le ministère de l'Éducation, il me semble. Elle a participé aussi à de nombreuses conférences à l'international pour défendre la cause des femmes
afghane. Dans la barre d'infos, vous trouverez son Twitter, étant donné qu'elle est active sur Twitter et celle d'autrice est toujours en Afghanistan, il semblerait, à l'heure actuelle. Voilà. Alors, pour cette autrice, j'ai une petite interview. Donc, ça peut être intéressant quand même. Alors, c'est en anglais et je dois reconnaître que son anglais est un petit peu difficile à comprendre, mais c'est juste, voilà, histoire de l'entendre, etc. Et puis, c'est une question relativement simple. Et vous avez, je mettrai en barre d'infos aussi le lien pour l'interview complète si jamais ça vous intéresse. Donc on va y aller. C'est normal si vous ne m'entendez pas et que vous ne me voyez plus. And also another thing is that the illiterate of the people, the illiterate of people, they are men. They can read, but they never wanted to change. That is our big problem. Alors, c'était très court, mais c'est normal. Parce que sinon, ça prend trop de temps et je vous mettrai le lien pour l'interview en barre d'infos. Alors là, ce qu'elle vient de dire, c'est qu'elle avait une question. La première question, c'était quel est un point positif et un point négatif pour l'Afghanistan. Et donc, le point négatif, ce qu'elle disait justement dans la vidéo, c'est que il y avait beaucoup de femmes qui étaient illettrées en Afghanistan. Qu'une grande partie de la population illettrée était constituée de femmes, justement. Et DG, je crois que tu n'as rien compris. Et elle explique que, par contre, ceux qui sont justement illettrés, pour beaucoup, sont des hommes, et que ces hommes-là, bien sûr, ne veulent pas que ça change. Voilà. Donc, on va quitter son portrait pour revenir sur le texte. Hop, ouais, comme ça, c'est parfait. Hop, hop, hop. Alors, je vous ai sélectionné deux textes. Un extrait d'une nouvelle qui s'appelle Dame Ramiri, la poupée confidente, qui est donc extrait du recueil de nouvelles. Et deuxièmement, juste des propos qui ont été recueillis dans le journal du dimanche qui date du 21 août 2021, étant donné qu'elle a été interviewée pour plusieurs journaux et qu'elle est très active sur Twitter, si vous voulez la suivre. Dès le matin, on entendait le grondement des tanks. La veille aussi, les tanks avaient grondé jusqu'au matin. Donc là, ce qui est intéressant déjà, dès cette première phrase, c'est l'inversion qui vient accentuer la répétition et le fait que si les jours diffèrent un petit peu, comme l'inversion qui vient faire un petit peu différer, voyez, qui vient modifier le rythme de la phrase, la réalité n'en est pas moins la même. Les hommes avaient apporté la nouvelle selon laquelle l'armée rouge avait gagné du terrain. Vers midi, la guerre était arrivée à Sandadjan. Les hommes ont apporté du pain au front. J'étais fatiguée. Les femmes sont restées près du tandoor pour retirer les derniers pains. Donc c'est le four où on fait le pain. Quant à moi, j'ai pris les pains à moitié brûlés et sur la route, je suis allée rendre une visite rapide à Nafasak. Depuis que son mari avait été martyr et qu'il restait ses filles à sa charge, sans famille ni amis, ses yeux étaient remplis de larmes et son cœur de tristesse. J'ai donné les pains pour les enfants de Nafasak. Oui, dame Ramiri, durant ces jours-là, les femmes et les hommes tuaient les Russes et devenaient des Moudjahides. Moi, j'ai tué Boran. Oui, j'ai tué Boran. Je l'ai tué avec la pioche qui était au fond de la réserve à bois. Mille fois, je me suis répété cette histoire, mais toi, tu es la première à l'entendre. Au lieu de tuer des soldats russes, j'ai tué mon mari. Donc, je pense que là, vous voyez un petit peu pourquoi j'ai voulu couper à ce moment-là. Et alors, cette nouvelle, ce qu'elle a de très intéressant, c'est que ce suspense un petit peu là, que vous sentez parce que j'ai bien coupé et j'ai sélectionné l'extrait, en fait,
c'est, même en lisant la nouvelle, il persiste. Étant donné que par un choix de l'autrice, que je ne vais pas vous dévoiler, sinon pour le coup, là, ça gâche vraiment l'intérêt de la nouvelle. La nouvelle, même une fois lue, n'offre pas de résolution ni de certitude quant aux propos tenus. Voilà. Donc là, en fait, il faut comprendre hein, qu'on a vraiment cette femme qui va raconter cette histoire à cette poupée qu'elle a confectionnée, où elle va lui raconter le meurtre de son mari. Et comme vous le voyez ici, c'est une intrigue, une histoire qui va se placer sous l'occupation soviétique. Et qui va venir décrire, encore une fois, la violence de la guerre. Et ce qui est bien évidemment très intéressant aussi, c'est la guerre, cette fois-ci, vécue par les femmes, par celles qui restent derrière et par celles qui doivent maintenir le reste du pays pendant que les hommes sont au front. Ben, DGDFG, je t'aurais bien répondu gentiment et j'aurais bien pris le temps de te répondre sur ce live qui dure déjà depuis 1h47. Mais la manière dont tu as posé ta question ne me donne pas envie de le faire. Tu n'as été ni poli ni sympa. Tu vois ? Et si tu avais posé ta question normalement, enfin, je t'aurais répondu normalement. Parce qu'il est tout à fait possible que je m'exprime d'une manière qui n'est pas claire ou qui n'est pas claire pour toi ou que tu aies mal entendu ou que tu sois passé trop vite. Ça arrive, c'est pas un problème. Mais peut-être que la prochaine fois, tu pourras envisager d'interrompre un live d'une autre façon. Voilà. Donc, le deuxième texte n'est pas littéraire cette fois-ci, mais j'ai pensé qu'il était important de l'inclure également. Donc ça date du 21 août 2021. Je suis à Kaboul et c'est la deuxième fois de ma vie que je vois les talibans entrer dans ma ville. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça représente. Je pense qu'on ne peut pas de toute manière en fait s'imaginer ce que ça représente. Ce n'est pas simple de raconter ce que je ressens parce que je suis en colère. Les larmes me montent aux yeux. J'aimerais me réveiller et que tout soit en place, que rien n'ait changé. Je suis sortie il y a 3 ou 4 jours. Les talibans étaient là, armés de leurs fusils. Ils tuent, la population a peur. Je me sens déprimée pour mon peuple. Voilà 5 jours que je ne peux plus rien faire, ni écrire, ni lire, ni même parler, tant j'ai peur. Alors, j'ai pensé que c'était premièrement extrêmement important parce que c'est le témoignage de cette autrice voilà, qui est à Kaboul. J'aurais trouvé ça un petit peu limite en fait de venir vous parler de ses textes et de ne pas prendre en compte sa situation actuelle et ce qu'elle vit et ce dont elle témoigne actuellement. Et puis ça rejoint un petit peu aussi ce que je vous disais en tout début de live, c'est-à-dire que oui, la littérature et les arts, c'est important, c'est une manière de résister, c'est une manière de résister en fait de manière plurielle même en fait. Mais c'est aussi quelque chose qui ne peut pas toujours se faire et qui ne peut pas se faire si d'autres personnes ne vont pas vraiment combattre. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je dis. Mais là, voilà, elle nous explique clairement que là, l'heure n'est pas en fait à la création de son côté parce qu'elle a trop peur, quoi, vu ce qui se passe. Ce qu'on peut bien évidemment imaginer et encore, je ne suis pas sûre qu'on puisse réellement l'imaginer en fait. Voilà. Alors on va continuer, cette fois-ci on va revenir à la poésie. Donc l'autrice suivante dont je vais vous parler, pof, c'est celle-ci. Il s'agit de Muzran ou Muzgan Faramanesh qui est née en 90, elle est née à Herat cette fois-ci, on revient à Herat. Qui a publié un premier recueil de poésie en 2011 et qui a participé à de nombreuses revues littéraires. Voilà. Alors comme je vous disais au début, c'est par exemple des autrices qui sont connues à Herat, mais qui ne sont pas forcément très connues ou très publiées dans le reste du pays. Ce qui est quand même assez surprenant comme organisation, encore une fois, au niveau des éditions. Donc là, je vous ai sélectionné un poème qui est extrêmement intéressant parce que c'est l'une des formes fixes les plus présentes dans la littérature afghane. Mais pas que. Mais comme nous, on parle d'Afghanistan, on va s'intéresser à la littérature afghane. Alors, vous savez que nous avons, nous aussi, des formes fixes en poésie. Par exemple, si je vous parle de sonnet,
c'est une forme fixe, c'est-à-dire que le sonnet, ça a une forme bien particulière, définie, et des critères formels, en gros, qu'il faut respecter pour pouvoir prétendre avoir écrit un sonnet. Bon, c'est assez clair. Donc, l'une des formes fixes les plus connues en Afghanistan, mais pas que, c'est ce qu'on appelle le ghazal. Hop. Et donc là, vous avez la traduction, et puis vous avez aussi la version en dari, pour que ce soit un petit peu plus parlant et que vous puissiez bien voir les contraintes formelles. Parce qu'effectivement, en traduction, c'est pas forcément évident. Donc, attendez, parce que moi, les gens comme ça... Ok, cool. Bref. Donc, le ghazal, c'est une forme fixe, comme je vous disais, qui repose sur l'utilisation de distiques, c'est-à-dire de groupements de deux vers. Ce qui est très important et qui doit être respecté, c'est une répétition. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mais j'ai l'impression que ça se voit quand même sur le texte, du coup, en dari. Donc, il y a l'une des autres contraintes formelles qui s'appelle le radif. Le radif, c'est la répétition d'un même mot en fin de deuxième vers. Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment. Alors, si vous n'êtes pas du tout habitué en plus à ces alphabets, ça va être compliqué. Mais si vous regardez assez minutieusement et que vous regardez donc les deuxièmes vers à chaque fois et la fin du deuxième vers se situe à la gauche de votre texte, pas à la droite, étant donné qu'on écrit dans l'autre sens. Donc, si vous regardez les deuxièmes vers de chaque distique, le mot qui est tout à gauche, vous remarquerez que c'est le même. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur vos écrans ou pas. Dites-moi si vous le voyez ou si vous ne voyez pas du tout. Et donc ça, c'est le radif, c'est donc la répétition d'un même mot pour toutes les fins de deuxième vers. Donc, des distiques. Ouais, le même dernier mot pour le deuxième vers. Et en général, une autre contrainte formelle, c'est que le dernier vers doit comprendre une adresse au propre auteur ou à la propre autrice. Ça, c'est quelque chose qui se faisait même assez souvent. Par exemple, voilà, vous allez avoir le poète qui va s'auto-citer ou qui va s'adresser à sa propre personne à la fin du vers. Le ghazal, normalement, est plutôt un chant d'amour. Donc, les thèmes, normalement, sont plutôt des thèmes amoureux. Bien évidemment, vous en doutez, comme toutes les formes fixes, en fait, ce sont des formes qui sont un petit peu remaniées, un petit peu étirées, et avec lesquelles on joue, et c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de la poésie. Donc là, le texte que je vous ai sélectionné, il est intéressant, surtout pour la dernière strophe, en tout cas pour le dernier distique, que j'ai trouvé extrêmement beau, mais malheureux, mais beau. Et en plus, je vais quand même vous partager ce que j'ai lu du coup dans l'analyse de Farzan Amari, étant donné que c'est ça qui est génial, c'est ses notes sur la traduction. Alors, le dernier vers, je ne sais pas si vous arrivez vraiment voir, enfin les deux derniers vers plutôt. Enfin, tout le poème est intéressant, mais je trouve quand même que le dernier est très parlant. I am strewn with gunshot residue, my body aglow in fire. Self-kill, live, love or die, I'll be the warm prey of someone's suicide. Alors, bon, c'est bien sûr pas très gay. Donc je suis parsemé, constellé, jonché de résidus de tir, de poudre, si vous voulez. Mon corps, lui, un petit peu dans le feu. Alors, self-kill, donc se tuer soi-même, vivre, aimer ou mourir. Je serai la proie, alors chaude, c'est un peu bizarre, je suppose que c'est un peu cette idée de vivante, par contre,
du suicide de quelqu'un d'autre. Alors par contre, là, je pense que vous voyez à quel point parfois la traduction est affreuse. Bon, alors déjà parce que je ne suis pas traductrice, c'est pas mon métier, donc je ne suis pas douée pour ça. Deuxièmement, parce que là, je vous la fais un peu comme ça, mais même, je trouve que pour le coup, vous voyez, la langue française, là, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve que la langue française, là, se prêterait vraiment pas à retranscrire ces vers. Parce que ici, rien qu'en anglais, vous avez suicide, vous avez self-kill et vous avez die. Vous avez trois verbes qui ont des sens différents, surtout die bien sûr par rapport aux autres, mais qui ne peuvent pas vraiment être construits de la même façon en français. Et donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce que nous dit la traductrice dans la note sur la traduction. Elle nous dit en fait que dans la version originale en Dari, Farah Manesh, elle utilise deux verbes, en fait, pour le mot suicide. Alors là, il y a les mots, mais Rud Rushi, je suppose, et Entehar. Donc le dernier, il est plus proche de l'idée de se tuer soi-même, tandis que le deuxième, en fait, il est souvent utilisé pour en parler d'attentats-suicides. C'est-à-dire vraiment, vous savez, les suicides avec des bombes, quoi. Alors, déjà, c'est des termes que nous, on n'a pas forcément en français. Et là, on voit à quel point l'histoire et la situation d'un pays jouent aussi sur les mots qui se créent, les mots qui entrent dans l'utilisation et dans le langage courant. Mais c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important d'avoir accès parfois aux textes dans leur langue, étant donné que en français, je pense qu'en plus, selon qui traduirait, on pourrait tomber sur une répétition du mot suicide, ce qui viendrait totalement bouleverser et modifier le sens de ce distique. Et ce distique, au-delà de cet intérêt linguistique et de cet intérêt qu'il révèle sur la traduction, je trouve qu'il est vraiment très beau. Parce qu'il y a une forme de conscience et de lucidité sur le destin que l'on va avoir. Quelque chose d'absolument effrayant qui est posé ici en fin de poème. Et puis ce côté extrêmement concret, avec the gunshot residue, avec la mention de ce suicide, de cet attentat suicide, c'est une réalité ici extrêmement violente, extrêmement éloignée du thème amoureux du Razal. Souvenez-vous que c'est censé être un chant d'amour et qui vient clore ce poème. Surtout que c'est une gradation, une intensité non négligeable comparée aux strophes précédentes, aux distiques précédents. Ouais. Alors, je ne sais pas si le vocabulaire français est plus restreint, mais il est moins souple, en tout cas. Ouais. Il est beaucoup moins flexible. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, de ce que j'ai lu, apparemment, le Dari, donc la version afghane du farsi ou du persan, c'est une version qui intègre davantage de mots, d'anglicisme que le farsi parlé en Iran, par exemple. C'est l'une des différences, entre autres. Donc c'est assez intéressant. Donc là, voilà, là, c'était pour moi le moment aussi de vous montrer un petit peu ce que c'était que le Razal et analyser cette dernière strophe qui est quand même, encore une fois, extrêmement parlante, extrêmement violente. Maintenant, il y a quand même quelque chose que j'aurais voulu vous dire. C'est que ça, c'est l'une des formes fixes les plus célèbres dans la poésie afghane et c'est l'une des formes qui est la plus utilisée par les hommes et par les femmes. Il existe une autre forme spécifique de poésie qui, cette fois-ci, est vraiment féminine. Ça s'appelle les landis, je pense. Je vous l'écris dans la barre, en commentaire si vous le souhaitez. Et en barre d'infos, je vous ai inséré, alors c'est en anglais, mais c'est vraiment intéressant, je vous conseille de prendre le temps de le lire, tout un article qui va présenter plusieurs de ces formes poétiques avec leur contexte et les femmes qui les ont créées. Alors c'est une forme qui est très différente, en fait, c'est un couplet qui contient 22 syllabes, si je ne me trompe pas, et
qui est divisé en deux. On a un premier vers qui doit faire normalement 9 syllabes, un deuxième vers qui doit faire 13 syllabes, et qui lui est un texte très critique, acerbe et souvent très sarcastique. On est dans une tonalité très très différente, c'est hyper intéressant. Et c'est une forme qui a été créée par des femmes en pachto qui étaient bloquées entre, enfin, la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est vraiment très 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 intéressant. Et donc en barre d'infos, je vous ai inséré un article, je vous ai donné le lien d'un article qui s'appelle L'Indice Poetry of Afghan Women. C'est, je vous recommande vraiment la lecture. En plus, il y a des superbes photographies, etc. Pour vous donner une idée, l'un de ceux qui est partagé, c'est You sold me to an old man, father. Premier vers. Même respecter les syllabes en anglais. May God destroy your home, I was your daughter. Donc vous voyez, c'est très différent. Hein. Tu m'as vendu à un vieil homme, père. Que puisse Dieu détruire ta maison, j'étais ta fille. Alors oui, merci Kafkaïenne, heureusement que tu es là. Je voulais quand même juste, avant qu'on continue avec les autres poétesses et on s'achemine tranquillement vers la fin de ce live, vous parler de cette autre maison d'édition qui s'appelle Le Soupirail, qui est donc celle qui a publié le recueil de nouvelles Sous le ciel de Kaboul. Alors, je ne l'ai pas fait lors des lives précédents, mais là je trouve que, pour être honnête, j'ai trouvé ça tellement difficile en fait de trouver des textes, hormis par exemple Khaled Hosseini et Atik Raimi, que je voulais vraiment souligner et applaudir le travail des maisons d'édition. Donc, ces maisons d'édition qui s'appellent Le Soupirail, œil, esprit dérobé et offert, rencontre entre souffle, lumière et regard, il est mouvance, vision, entre intérieur et extérieur, il met en valeur l'écart qu'offre l'écriture littéraire contemporaine face au monde, cette respiration. Le Soupirail est une maison d'édition indépendante, elle publie de la littérature française et étrangère, elle entend constituer un catalogue de littérature d'auteurs contemporains, plumes émergentes ou confirmées, d'auteurs français et étrangers avec une continuité et un suivi de ses écritures, parfois accompagnées d'images. Elle accueille romans, premiers romans également, nouvelles, textes courts et envisage la publication d'entretiens, de personnalités, avec comme axe principal le regard sur la création. Elle accorde un souci particulier au travail avec l'auteur et dans son accompagnement dans la relation auteur-lecteur-partenaire du livre. Publication de 6 à 10 titres par an. Donc c'est vraiment très sélectif, comme vous pouvez le voir. Et ils ont, de fait, certains titres que je n'ai jamais vus ailleurs. Et tout comme l'inventaire, c'est une maison d'édition avec une ligne éditoriale bien précise. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de vous pencher sur ces deux maisons d'édition. Voilà. Alors, hop. Ensuite. Et là, ce sont les deux derniers textes, tout court. Donc, la dernière autrice dont on va parler, il s'agit de cette femme, pof, sur laquelle je n'ai que peu d'informations. Et que je n'ai trouvé que dans ce recueil de poèmes, encore une fois. Donc, il s'agit d'une femme qui s'appelle Ella Asael, qui est née en 1984 à Kaboul. Qui a elle aussi étudié à Herat, vous voyez que c'est vraiment un thème commun, et qui a écrit, enfin, dont les textes ont été intégrés à plusieurs anthologies qui ont été publiées. Et elle a passé toute sa vie en fait à Herat avec sa famille. Voilà, c'est aussi une femme qui s'est beaucoup engagée en faveur des droits des femmes, comme beaucoup de ses autrices qui ont été présentées ce soir. Le poème que j'ai sélectionné, vous allez voir, est très très court. Et je l'ai sélectionné parce que je trouve qu'il est extrêmement évocatif, extrêmement fort, et il m'a fait penser, alors même s'il est très 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 différent sur la forme, il m'a fait penser à un poème que j'aime tout particulièrement, qui est le poème Mort, le Mort numéro 18 de Mahmoud Darwish. Alors, attendez, il faut que je repasse au texte. Vous allez voir, c'est très court, mais c'est très parlant. Didn't he come home? What news of the traveller? Didn't he come home?
Did danger overrun him that he didn't come? What happened between Helmland and the Hari Rud? An open road, a Talib blood, and he didn't come. Donc encore une fois, là, si on passe par la traduction, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a déjà quelque chose qu'on perd avec le Talib et le blood, qui le mot commence et se termine, enfin, se termine et commence par la même lettre. Mais si on devait faire une traduction entre guillemets rapide, même si là je pense que c'est pas trop difficile. Donc des nouvelles du voyageur, il n'est pas rentré. Est-ce que le danger l'a empêché, on va dire, de rentrer? Que s'est-il passé entre Helmand et Hari Rud? Une route dégagée. Un talib. Et là, vous voyez, c'est talib et on s'arrête, on ne va pas jusqu'à taliban. Et on a ben, évidemment le B qui commence sans. Donc on ne peut pas le faire en français. C'est là que ça perd vraiment. Donc un talib et puis sans. Et il n'est pas rentré. Alors ça, c'est... Si on n'est pas sensible à la poésie, peut-être, et aux formes brèves de la poésie, peut-être que ça peut laisser un petit peu indifférent. Moi, je trouve que c'est extrêmement fort, en fait. Et là, pour moi, il y a un vrai talent d'écriture, en fait. Parce qu'arriver à transmettre toute cette histoire, tous ces paysages, toutes ces actions qu'on va se représenter et toute cette émotion avec quelques mots comme ça, juste quelques lignes, pour moi, là, il y a un vrai talent, en fait, d'écriture, bien évidemment. Et encore une fois, j'ai, même si je pense qu'on ne lit personne, je crois que personne ne lit le Dari ou le, sur cette chaîne, j'ai quand même voulu inclure le texte sur le côté. Voilà. Alors, comme vous l'avez deviné, c'est la fin de ce temps du texte. Temps du texte qui a encore duré longtemps, qui a encore duré plus de 2 heures. Je remercie les personnes qui ont fait des dons et qui, je pense, ont dû arriver après l'annonce que j'avais faite au début du live. Donc, je vous remercie. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie de découvrir ces autrices et ces textes et ces anthologies. Pour certaines littératures, les anthologies restent encore les meilleures, voire les seules, en fait, portes d'accès, étant donné que ce sont des littératures peu traduites et, comme je l'ai expliqué au début du live, contrairement à ce que je ne sais plus qui n'a pas compris, ce n'est pas qu'il n'y a pas de littérature afghane, au contraire, bien évidemment, étant donné qu'elle est directement liée à la littérature perse, mais c'est plutôt que c'est une littérature qui n'est pas organisée de la même façon que la littérature française ou européenne. Vous l'aurez compris. Donc je vous rappelle juste, mais je mettrai en barre d'infos si vous voulez, je me suis inspirée vraiment énormément du travail de la traductrice qui est absolument géniale dans cette anthologie poétique, Load Poems Like Guns, de Farzana Mari. J'ai aussi lu... J'ai lu les trois dans leur intégralité, donc vraiment c'était génial. Sous le ciel de Kaboul, qui est un recueil de nouvelles de femmes afghanes. Et puis, ce recueil de nouvelles, Ces murs qui nous écoutent, de Spojmaj Zaryab. Voilà. Je vous mettrai ça en barre d'infos et je le partagerai également, je pense, sur Instagram, si jamais. J'espère vraiment que ça vous aura peut-être permis de découvrir un petit peu cette littérature. Alors, vous vous doutez bien hein, qu'il y a des noms bien plus connus, étant donné que les hommes sont en général plus connus en littérature, n'est-ce pas? Et je vous laisse faire ce travail, c'est beaucoup plus simple de trouver ces noms masculins. Les noms féminins étaient un peu plus difficiles à trouver, voilà. C'est très fort quand on sait qu'en arabe, talib veut dire étudiant, effectivement, et que taliban est formé paradoxalement et que ce mot est associé à sang, ça elle restaure la vérité de cette usurpation. Ouais, je suis bien d'accord. C'est tout à fait ça qu'elle... ouais. C'est affreux. Et...
Ma Vali, écoute, j'espère que tu pourras continuer à les lire, peut-être. Je crois qu'il était important de mettre en valeur ces femmes afghanes dans le contexte que nous connaissons tous aujourd'hui, oui. On est d'accord. Merci Rosario Romero Parposa. Alors attention par contre, enfin attention, on dirait que Malala n'est pas afghane, elle est pakistanaise, je crois, jusqu'à preuve du contraire. Bon écoutez, en tout cas si le live vous a appris entre guillemets certaines choses, ou vous a intéressé, ou vous a donné envie de faire vos propres recherches, c'est le principal. J'espère voilà, avoir rendu hommage, famage à ces femmes comme il se doit. Et puis vraiment, je vous incite, enfin, honnêtement, hein, au-delà de la question des femmes, vous voyez ce que je veux dire, c'était réellement de très bons textes, très intéressants. Donc si vous le pouvez, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de vous procurer ces ouvrages et de découvrir ces textes, notamment les nouvelles qui sont très très surprenantes. Voilà. Et effectivement, pour celles et ceux qui donc avaient été là lors de l'introduction de ce live, si vous avez eu envie de faire un don durant ce live et que vous avez été touché, je vous enjoins donc à ne, comme je vous l'avais dit, hein, à ne pas faire le don pour moi, mais à faire un don pour alors les femmes afghanes ou d'autres causes relatives à l'Afghanistan. Et plusieurs liens ont été postés par, je vous l'avais dit, le compte Instagram Oser le féminisme, entre autres. Des comptes donc vérifiés et où vous pouvez donner en toute sécurité. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un autre temps du texte et je vous remercie pour votre présence. Comme d'habitude, vous avez été quand même assez nombreux et nombreuses ce soir, donc ça me fait très très plaisir et ça me fait surtout plaisir pour ces femmes. Je vous dis à très bientôt.